Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et mesdames et messieurs qui nous font le plaisir de nous regarder, j'ouvre cette séance du conseil municipal en demandant l'absence d'Émilie Desmoulins à Yoann Lagier de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur le maire. Présent. Richard Nussbaum. Présent. Catherine Valdener. Elle va arriver, elle est un petit peu en retard, elle est au... Éric Pétieux. Présent. Annie Astier-Conversé. Christian Julien. Présent. Émilie Desmoulins-Genoux, absente, donne pouvoir à Elisa Faure. Jean-Marc Aploni. Présent. Elisa Faure. Présent. André Martin. Présent. Claire Barnéou, absente, donne pouvoir à Jean-Marc Aploni. Michel Shripnikov. Patrick Michel. Présent. Corinne Aschettino. Présent. Christian Ferru, absente, donne pouvoir à Richard Nussbaum. Corinne Forbrack. René Michel. Présent. Christophe Hosty. Présent. Stéphane Simon. Présent. Renaud Ponce. Absent, donne pouvoir à Marie Soubran. Marie Soubran. Présent. Hervé Boulet. Présent. Sandrine Cordier. Présent. Moi-même. Maud Gadet. Présent. Marie Sosa François. Présent. Thomas Schwartz. Présent. Alexis Lalanne. Présent. Aïcha Chérif. Présent. Aurore Marchand. Présent. Aurélie Poyot. Oui. Gabriel Léon, absent, donne pouvoir à Aurélie Poyot. Francine Dardenne. Merci. Merci. Le quorum étant largement atteint, j'ouvre la séance du Conseil. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, quelques points importants sont à l'ordre du jour du Conseil municipal de ce soir. En particulier, deux sujets qui me tiennent à cœur. Le nouvel élan que nous allons donner au Centre sportif d'Attitude, connu sous le nom de centre d'oxygénation, de CIPA, de centre de préparation à l'altitude. Bref, le sujet était en tout cas, et il l'est ce soir sur notre table, d'accompagner le centre sportif d'altitude dans le contexte de modernisation du parc des sports. Vous le savez, ce seront plus de 10 millions d'euros qui seront investis dans les 2 à 3 prochaines années sur l'ensemble de notre parc des sports. C'était un engagement très fort du programme que nous avions présenté devant les Briançonnais. Et aujourd'hui, moins de 2 ans après le début de la mandature, tout cela devient réalité. C'est naturellement les travaux du nouveau mur d'escalade des Mondiaux dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui est en travaux. C'est le nouveau terrain de rugby végétal sur le plateau de Serginier. Et ce sera dans la deuxième phase, qui va rentrer en étude cette année, le nouveau gymnase, la halle sportive qu'on appelait de nos voeux. C'est un vieil élément du débat public dans notre ville. Bien entendu, le terrain synthétique foot rugby avec la piste d'athlétisme. Et au milieu de tout ça, nous avons bien entendu le centre sportif d'altitude que nous souhaitons voir continuer à être et devenir et prendre de l'ampleur comme une sorte de camp de base au milieu de ce parc des sports. Nous pensons en réalité sur ce dossier 2 choses. La première, c'est que nous avions des infrastructures qui étaient extrêmement vieillissantes et que si ce n'est que pour le plaisir, le confort des usagers quotidiens, nos enfants, nos scolaires, nos clubs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, on a un tissu associatif, culturel et sportif qui est d'une richesse extraordinaire, et je crois qu'on peut s'en féliciter, et surtout en profiter à nouveau pour remercier l'ensemble des bénévoles qui, tout au long de l'année, font vivre ces associations et qui ont permis la réussite de l'étape du Tour et du Tour de France cet été, comme des mondiaux de l'escalade. Mais au-delà de ça, nous avons toujours cru que le sport, dans une ville à 1300 mètres d'altitude, avec un plateau sportif idéalement situé, qui a de l'ampleur, qui a une taille importante, était un axe de développement économique important pour notre territoire. Parce que, oui, on vient à Briançon pour son altitude, on y vient pour s'entraîner, on y vient pour s'oxygéner, se préparer. Et nous n'avions plus les infrastructures qui nous permettaient d'accueillir, comme il se doit, des sportifs de haut niveau, nous les aurons. Et puis on vient aussi à Briançon, vous le savez, pour se soigner. Et nous avons voté une convention avec le centre hospitalier, avec Rhône Azur, et bien entendu notre centre sportif d'attitude et le CMS, qui nous permettra aussi d'ajouter cette corde à notre arc. On viendra pour s'entraîner, on pourra être suivi, on pourra faire des tests d'efforts. L'hôpital et Rhône Azur se dotent d'un plateau extrêmement technique et innovant en la matière. On pourra faire aussi les tests d'hypoxie et de résistance à la haute altitude. C'est pas totalement
je crois, idiot dans une des capitales des Alpes que nous sommes, que nous avons toujours été et que nous tâchons, en tout cas, de consolider et de redevenir. C'est le sens des piolets d'or. Je crois qu'on peut se dire fier d'accueillir à nouveau cet événement du grand alpinisme mondial dans quelques jours, à nouveau dans notre ville. Et vous le voyez, notre ville aussi sur la montagne, sur le sport, redevient attractive. C'était le congrès national des maires de stations de montagne qui s'est tenu à Briançon. C'était le congrès national des softeurs en montagne qui s'est tenu à Briançon. Vous le voyez, nous redevenons ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire l'une des capitales des Alpes, une des capitales de la montagne, où on y vit montagne, où on y parle sport. Et dans un bassin de vie, finalement, comment dirais-je, entre au milieu du bassin Rhône-Alpin et du bassin de la région sud, nous avons toute notre place pour ces infrastructures-là. Donc cette délibération et ces délibérations sur le centre sportif d'altitude, je crois qu'elles nous permettent aussi de montrer la volonté de la municipalité de miser très fortement sur le sport à travers les investissements majeurs que nous réalisons. Une autre délibération attirera notre attention, c'est bien entendu le réaménagement de la dette qui se termine aujourd'hui. C'était un sujet majeur sur lequel, vous le savez, j'étais personnellement très engagé. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce titre, et sans décevoir personne, j'exerce moi-même depuis le mois de juin 2020 les délégations aux finances. Je n'ai pas d'autres gens aux finances, je m'occupe personnellement de ces dossiers, parce que je pensais que c'était le point le plus stratégique. Et ce que nous faisons aujourd'hui, cette page qui se tourne finalement de ces deux années de renégociation et de réaménagement de la dette, elles sont extrêmement importantes, puisque nous en parlerons plus en détail tout à l'heure, même si cette délibération, c'est la fin du processus, c'est la répartition des charges, le plus important a déjà été fait. Mais aujourd'hui, vous le verrez, la ville de Briançon, elle a retrouvé une signature crédible auprès des financeurs et des emprunteurs, des investisseurs, puisque c'est un emprunt obligataire de plus de 5 millions d'euros qui a été passé, qui nous a permis de rembourser ces emprunts et de les réemprunter sur 20 ans. En réalité, ce que nous faisons, c'est que nous réempruntons sur 20 ans et à bateau des emprunts qui étaient plutôt élevés et sur 10 ans. Donc on se redonne de l'oxygène. Ça conclut tout un processus qui nous permet d'économiser 200 000 euros par an. C'est pas neutre. Je rappelle que c'est pas loin d'être une bonne partie du coût de l'augmentation salariale que nous avons consentie à l'ensemble des agents de la ville en mettant en œuvre le RIFSEP. C'est pas totalement neutre dans une période d'inflation que d'avoir ces derniers mois consenti à un effort de hausse des salaires des agents généralisés. Je crois que la ville de Briançon, elle est exemplaire en la matière, et il faut savoir le dire et s'en féliciter. Mais c'est aussi parce que nous avons pris ces décisions-là. Et puis je voudrais le redire à nouveau, puisque c'est la suite aussi de l'examen par la Chambre générale des comptes de l'ensemble de nos comptes. Ces décisions de réaménagement de la dette, qui fait qu'aujourd'hui, quand on rembourse 5 millions sur 10 ans, on en remprunte 2 sur 20 ans et à très bateau, en plus des emprunts que nous avons pu renégocier, et vous le verrez, je crois que les courbes de taux nous donnent largement raison, puisqu'aujourd'hui, les 5 et quelques millions d'euros que nous avons empruntés, nous les empruntons moins cher qu'un particulier, hein, à 2,3%. Je crois franchement que dans le contexte actuel, nous pouvons être heureux d'avoir réussi ces opérations. Derrière cela, c'est la capacité de la ville, aujourd'hui, à passer d'une moyenne d'investissement annuel qui était autour de 5 millions d'euros par an, à, depuis le début de la mandature, grâce à ces décisions, une moyenne d'investissement annuel qui est au-dessus de 10 millions d'euros par an. C'est très simple, mais depuis 2020 et principalement depuis 2021, puisqu'on a eu 6 mois de mise en place, nous investissons deux fois plus que ce qui était le cas par le passé. C'est ce qui va nous permettre de porter des investissements extrêmement importants, le parc des sports, les investissements sur les infrastructures, le SIAP, bien entendu, les pénites en noir. Bref, ce n'est pas les orientations budgétaires ce soir, ça viendra dans quelques jours, quelques semaines. Mais en tout état de cause, cette question du réaménagement de la dette, elle était extrêmement importante et je voudrais vraiment dire à quel point elle me tenait à cœur, puisqu'elle change littéralement notre manière aujourd'hui d'anticiper l'avenir, de voir l'avenir. Au-delà du fait qu'il m'avait toujours été répondu que c'était totalement et strictement impossible et que nous l'avons fait, je crois pouvoir aujourd'hui prouver par les faits que nous l'avons plutôt bien fait, dans des bonnes conditions financières, et qu'aujourd'hui, je crois que chacun de nos concitoyens le voit bien, la ville a passé l'accélérateur, les investissements vont vite. Cette équipe municipale, elle est au travail. Je rappelle qu'en moins de 2 ans, l'ensemble des sujets programmatiques les plus importants, ils sont sortis. Les travaux dans la cité administrative, ils démarrent dans 10 jours. Le parc des sports, ça a démarré. Tous les chantiers majeurs sur lesquels nous étions engagés sont tous en travaux.
malgré, vous le savez, toutes les contraintes qui sont liées à la fois au concours d'architecture, aux procédures administratives, aux procédures urbanistiques. Cher André Martin, cher Richard Nussbaum, qui m'accompagne au quotidien sur ces dossiers, vous savez à quel point c'est lourd et c'est difficile. Aujourd'hui, tous ces sujets sont lancés. La ville peut regarder vers l'avenir. Je voudrais terminer en vous disant deux choses. La première, c'est un point d'information, mais vous l'avez vu, mais je profite pour le redire, la vente des forfaits de ski à prix réduit pour nos jeunes a démarré. C'était un sujet qui avait fait parler et qui continuera à faire parler. J'ai toujours pris le parti de m'exprimer très peu en conseil municipal, puisque c'est des sujets qui, vous le savez, sont juridiquement complexes, et je préfère là-dessus prendre l'adage consistant à dire que le bien ne fait pas de bruit parfois et que le bruit ne fait pas de bien. Et il vaut mieux qu'on continue à travailler intelligemment avec le délégataire, le service de l'État, pour arriver à trouver les bonnes solutions. En tout cas, nos jeunes bénéficieront bien du forfait pour aller skier. Tout cela est en vente au service des sports dans les tout prochains jours, cher Johan, cher Christian. Et j'en termine aussi pour vous dire, et ce sera la continuité des propos tenus précédemment, que les travaux avancent bien, puisque demain, sauf si la pluie s'en mêle trop, cher Jean-Marc, je ne l'espère pas, la rue Colo sera finie. C'est une bonne nouvelle. On aura un bel enrambé de couleur ocre qui symbolise toutes les zones piétonnes de la ville, comme c'était le cas au jardin de Rosenheim, comme c'était le cas sur la première partie de la ZAC. Et enfin, ce sera fini. Vous l'avez vu, le parc de la ZAC, en tout cas pour sa première partie, il a très bien avancé. Je profite pour préciser qu'il y aura beaucoup plus d'arbres, mais qu'une bonne partie sont au chaud, en attente d'être plantés, parce qu'il fait un petit peu frais. Ça ne vous a pas échappé. Donc cette partie-là avance bien. La suite avancera aussi. Les travaux routiers sont en train de se terminer sur Jean Moulin. Ils ont été terminés sur la Grande Boucle. Et vous le verrez ce soir, l'adjoint aux travaux en parlera assez précisément. Ils se terminent sur Jean Rousson. Ils vont démarrer sur la rue Barthélémy Chaix. Et je l'ai dit, la cité administrative est un chantier qui va démarrer dans les tout prochains jours. Bref, on ne fait pas d'économie sur les travaux. Et celles et ceux qui avaient pris un peu de retard, je pense par exemple au skatepark, sont aussi en bonne voie pour être rattrapés, puisqu'on a bon espoir, dans le courant de l'hiver, de pouvoir l'ouvrir, même si, vous le savez, on avait pris du retard principalement dû à la crise d'approvisionnement des matériaux et à leur prix. Notre ville, elle avance, et les dossiers, toutes et tous, avancent. Je voulais en tout cas vous dire, dans cet automne et un peu frais, un peu froid, mais en attendant une neige abondante et un grand soleil pour faire une belle saison d'hiver, ça nous avait sacrément manqué, qu'en tout cas on peut se réjouir de voir tous ces dossiers engagés. Mesdames et messieurs, j'ouvre le conseil municipal. Celles et ceux qui voudraient prendre la parole de manière liminaire n'ont qu'à la demander. Monsieur René Michel. Merci monsieur le maire. Mesdames, messieurs, monsieur le maire, j'ai fait un triste constat que dans certains domaines de la vie quotidienne, la prévention et l'information ont fait long feu. Alors que tout à l'heure, à ma grande tristesse, l'ordre du jour appellera à mettre en application une verbalisation de 135 euros pour les personnes ne ramassant pas les déjections de leurs chiens, je voudrais simplement souligner les trop nombreuses incivilités qui émaillent le quotidien des Briançonnais. Pour cela, je ne prendrai qu'un seul exemple. Les abords des écoles. Il ne se passe pas une semaine sans que Michel Spryknikov et moi-même soyons alertés sur le stationnement anarchique au mépris de la sécurité et du respect du code de la route aux heures de dépose et de réception des écoles, sans que l'on nous envoie des photos de mégots de cigarettes ou de déjections canines qui jonchent le sol, aux abords de l'école. C'est alors que nous allons, depuis 2 ans, mis l'accent sur l'embellissement de la ville, de nos espaces verts, avec un travail formidable de nos services techniques, mais aussi sur la sécurité, avec notamment la réorganisation de la police municipale, qui réalise un travail remarquable dans ses missions journalières. La ville ne peut que constater que ces comportements nuisent et exaspèrent la majorité de nos concitoyens. Si cela est très loin de nous réjouir, la municipalité, comme elle le fait avec les déjections canines, saura aller plus loin si les comportements ne changent pas. Mais il est tout de même dommage que l'on doive toucher au porte-monnaie pour ramener une minorité de gens à des comportements qui relèvent du savoir-vivre et du bon sens. Merci. Merci, cher René, monsieur le conseiller, de ce constat que je partage.
sur le vivre ensemble et sur les incivilités. Je m'associe totalement à ce constat et aux mesures que nous prendrons. Nous le faisons sur les déjections canines et on va passer de 38 euros à 135. On en parlera tout à l'heure, on en débattra naturellement, mais je pense que c'est une bonne mesure parce qu'on a trop d'endroits où, malheureusement, la situation est extrêmement désagréable et nos riverains s'en plaignent du matin au soir. Donc nous le faisons et je le redis aussi, je m'associe sur les écoles, à la fois le stationnement, et je pense que c'est du bon sens. On n'est peut-être pas obligé de fumer juste devant l'entrée des enfants. Certaines communes ont pris des arrêtés, je n'en suis pas là à ce stade, mais en tout état de cause, j'aimerais profiter de ce conseil municipal pour tout simplement passer un appel au bon sens et je crois au savoir-vivre qui nous réunit. Je crois que ce serait une bonne chose que chacune et chacun en soit conscient dès lors qu'il s'agit de nos écoles et de nos enfants. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Il n'y en a pas. Merci. Je vais donc ouvrir l'ordre du jour du conseil municipal en vous demandant s'il y a des remarques sur le procès-verbal du dernier conseil. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il est adopté. Et vous demandez si vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions. Oui, Madame Dardenne. Oui, merci, Monsieur le maire. Je m'excuse d'aborder ces questions-là aujourd'hui. On aurait dû les aborder lors de la commission de préparation lundi soir, mais on a été un petit peu en retard et on n'a pas pu vous poser un certain nombre de questions. Vous avez pris une décision, la décision numéro 193. Il est question des logements attribués à la SA des Diables Rouges, et notamment le retrait d'un des logements, celui de Pont-de-Servière, et on aimerait savoir pourquoi en faire. Pourquoi vous avez retiré ce logement ? C'est ni plus ni moins que le projet de réaménagement de la cantine sur lequel nous étions engagés, d'agrandissement. D'accord. Du coup, le logement va être récupéré pour agrandir la cantine. En fait, on transfère la salle des profs dans l'appartement et on agrandit la cantine dans l'ancienne salle des profs. D'accord. Ensuite, il y a la décision numéro 200, l'attribution du marché public de travaux de remplacement d'huisserie dans les bâtiments communaux. Donc, il y a trois lots. Ces décisions ont été prises il y a 2 ans et on se demandait pourquoi ces travaux ne se faisaient que maintenant. Je pense que parce qu'ils ont été rendus infructueux, mais on va le vérifier, c'est pour ça qu'il y a marqué relance, me semble-t-il. Je pense que c'est l'autorisation de l'ABF que nous n'avions pas. Tout simplement. Nous attendions l'autorisation de l'ABF pour procéder à ces travaux. D'accord. Ensuite, oui, il y a un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une structure artificielle. Ben, c'est la structure du mur d'escalade. Je reprends. La 214, oui. La 200. La 200. Moi, je vois la 214. Il est indiqué que pour des lots. Attendez. C'est la 200, excusez-moi. Oui. La 214. Ah, c'est la 214. C'est la 206, excusez-moi. Oui. Vous avez attribué donc à un architecte un montant de 50 800 euros pour un forfait définitif de rémunération fixé à 85 565 euros, soit 103 000 toutes taxes comprises. Ça correspond à quoi, cette rémunération, exactement ? Ah ben, c'est la maîtrise d'œuvre. C'est ni plus ni moins que la construction des plans d'exécution du futur mur d'escalade. D'accord. Et enfin... Et du coup, c'est les photos qu'on a dans le bulletin municipal, tout à fait. Qu'on a découvert dans le bulletin municipal. Tout à fait, exactement, qui avait été présenté lors de la réunion publique de présentation des grands projets que nous avions faite en avril dernier. Il y a quelques petites modifications, vous vous en doutez bien depuis. On a parmi les photos à jour sur les vis qu'on a changées, mais globalement, voilà. Et vous retrouvez l'évolution du coût prévisionnel des travaux. Voilà. D'accord. Et enfin, la 214, vous avez donc... attribuer un marché de travaux pour la construction d'une structure, du mur d'escalade, mais juste pour la structure,
qui est d'un montant de 304 863 oui. euros toute taxe. Les autres lots ont été rendus infructueux et ils ont été rendus infructueux parce qu'ils étaient trop chers. Et ils repassent en commission d'appel d'offres le 21, avec remise des offres le 14. 21 novembre. Tout à fait. D'accord. Et le lot, numéro 1, c'est le lot béton armé de l'établissement. Le socle de la structure. Le socle de la structure. Tout à fait. D'accord. Très bien. Merci. Je vais donc mettre les décisions aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. C'est adopté. Et je passe immédiatement la parole à Richard Nussbaum pour une délibération de représentation. Merci, monsieur le maire. Donc cette délibération concerne la composition du conseil d'administration de la SPLO Service Haute-Durance. Donc, compte tenu des demandes de modification qui ont été formulées par des conseillers en exercice dans un premier temps, le conseil municipal doit délibérer pour désigner un nouveau représentant et, dans un second temps, le conseil d'administration de la SPL au service Haute-Durance prendra acte de la désignation du nouvel administrateur. Le conseil municipal est invité à procéder à la désignation en lieu et place de Christian Julien, de Monsieur Stéphane Simon, appelé à siéger au sein du conseil d'administration de la SPL Haute-Service Durance, en qualité de suppléant. Je vous redonne quand même la composition de ce conseil d'administration. Donc titulaire Arnaud Murgia, René Michel, Christian Ferru, Michel Spricnikov et Jean-Marc Chiapponi. En tant que suppléant, Christophe Hosti, Éric Pétieux, Aurélie Poyot, Marie Sosa François et Stéphane Simon. Merci. Si ça n'appelle pas de questions, je vais mettre cette délibération en voix. Si, monsieur Simon. Oui, c'est juste pour remercier ce geste amical de Christian Julien. Tout le monde connaît mon attachement à l'eau. Donc je pense que j'essayerai d'être le plus légitime possible à cette place. Et je vous en remercie. Merci et nous n'en doutons pas, cher Stéphane. Et on connaît aussi tes qualités sur les cheminées et la manière d'allumer des feux désormais. Donc si on crée une SPL éventuellement... pour les peler, ou voilà, nous penserons à toi. Plus sérieusement, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Des abstentions, très bien. Il y a donc 5 abstentions. Merci. L'ordre du jour appelle à la création de la régie financière, la régie à autonomie financière du Centre sportif d'altitude. Je vais juste repréciser quelle est notre volonté et dans ce dossier. Je le redis, c'est ni plus ni moins qu'alléger le centre sportif d'altitude, des tâches qui seront principalement réalisées par les services de la ville désormais. En gros, on garde une régie, mais elle intègre le giron de la ville, donc on garde une régie autonome, elle n'est plus à personnalité morale, ce qui fait que les tâches qui prenaient beaucoup de temps au centre sportif, et notamment toutes les tâches budgétaires, seront ni plus ni moins que réalisées par le service des finances de la ville. Ce qui permettra, et c'est à notre souhait, de laisser aux équipes du centre sportif d'altitude le soin de passer la totalité de leur temps sur ce qui est le cœur de leur métier, c'est-à-dire ni plus ni moins que faire tourner le centre sportif d'altitude, c'est-à-dire démarcher les fédérations, accueillir les sportifs, travailler à la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2023. Voilà, la seule ambition était, enfin la seule ambition est, de faire revenir dans le giron de la ville notre structure, tout simplement parce que entre vous et moi, nous avons un service des finances qui fonctionne très bien et nous avions un agent comptable seul dans une structure annexe. On va tourner de manière très opérationnelle le CSA, accessoirement aussi, mais ce n'est pas accessoire, c'est une manière de parler. Ça va nous permettre de largement simplifier, cher Christian Julien. Les modalités qui nous permettent d'investir sur le bâtiment du CSA, puisque son précédent statut de régie autonome à personnalité morale faisait en sorte que seule la régie pouvait porter les investissements. Je vous rappelle qu'on avait eu à faire voter une subvention de 500 euros pour changer la porte. Désormais, les services techniques pourront intervenir sur le centre sportif d'altitude. Ils vont d'ailleurs le faire en régie. Et vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, mais une dotation initiale de 80 000 euros qui correspondent aux travaux que nous voulons d'ores et déjà mener dans les toutes prochaines semaines, c'est-à-dire, en l'occurrence, le changement, l'ajout d'une chaudière et le changement des literies qui en avaient bien besoin. Et on se posera la question dans les années qui viennent de continuer à faire prendre de l'ampleur à notre centre sportif d'altitude. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, j'y réponds bien volontiers. Madame Dardenne. Oui, nous avons échangé lors
de la commission de délégation de services publics dernièrement sur ce sujet. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant et on en a parlé avec Gabriel Léon qui participait et qui va participer encore, je pense, au nouveau conseil d'exploitation de cette nouvelle structure. On avait abordé la possibilité de mutualiser certains services avec les services municipaux comme ceux de la cuisine, par exemple, et puis la problématique aussi du chauffage de cette structure qui est vraiment... qui est vraiment plus en état, d'après ce que vous nous avez dit, puisqu'il faut changer la chaudière, et donc la possibilité peut-être de faire un chauffage mixte avec le gymnase ou avec le parc des sports par rapport à ça. Est-ce que vous avez donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a deux éléments. Le premier, c'est les éléments d'urgence, si j'ose dire, puisqu'en l'occurrence, sans ajouter cette nouvelle chaudière, en pleine saison d'hiver, on n'a pas tout le temps l'eau chaude, ce qui est quand même léger quand on veut prétendre à accueillir dans de bonnes conditions et dignement. Bon, donc ça, c'est l'urgence. L'urgence, c'est aussi un certain nombre de mesures de confort, mais les literies n'ont pas été changées depuis des années. Bon, voilà. Très concrètement, peu de choses ont été faites depuis très longtemps sur le centre sportif d'altitude, et nous le faisons. Sur la réflexion de plus long terme, vous le savez, il y a déjà un chantier qui est en route. C'est celui du système de froid et donc derrière de chaleur de la piscine et de la patinoire, puisque dans les travaux que nous allons lancer, c'est la patinoire qui servira à chauffer la piscine. Donc ce sera extrêmement vertueux et le changement... Ça se faisait déjà, ça, monsieur le changement. Le maire. Attendez, je finis. Excusez-moi. Attendez, je finis si vous voulez bien. Dans le changement du groupe froid, ça va nous permettre d'être extrêmement pertinent et le plus efficace possible dans la récupération de l'énergie. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, je vous confirme que on va travailler sur le gymnase au système le plus écologique possible. Donc on va faire travailler les bureaux d'études sur toutes les options possibles. Mais en tout cas, moi, je souhaiterais qu'on puisse trouver une solution écologique qui puisse servir à la totalité de la zone du parc des sports. Donc je suis fermé à aucune option, hein, que ce soit la géothermie ou quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, ça fait partie des éléments qui seront étudiés dans les 12 prochains mois. Donc en tout état de cause, c'est pas le débat du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on reprend le centre sportif d'altitude pour nous donner les moyens de le faire travailler bien, de le faire travailler mieux. Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes en train de travailler un programme d'investissement de plusieurs millions d'euros sur le centre sportif d'altitude. Ce sera pas le cas. Ce que je vous dis en tout cas, c'est qu'il y en avait bien besoin. Et pour terminer de répondre à la question très techniquement, le remplacement du groupe froid, il sera nettement plus performant et c'est plus de 80% des besoins de la piscine en chauffage qui seront, après les travaux, couverts par ce nouveau système de groupe froid et de récupération d'énergie. Donc ce sera, en tout cas sur l'ensemble piscine patinoire, nettement plus écologique. Voilà. Maintenant, si l'idée est de dire est-ce que sur l'ensemble du site du parc des sports, on peut avoir un système de chauffage écologique, moi j'y suis tout à fait favorable. Maintenant, c'est les études qu'on a confiées au groupement d'architectes qui... travaille sur le parc des sports, de répondre à tout cela, mais ça fait totalement partie des priorités, je vous le confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Marchand? Oui, bonjour Monsieur le maire. Je me permets de revenir sur la délibération numéro 1. Donc, vous nous avez expliqué lundi que vous étiez déjà assez nombreux pour travailler sur la SPL de l'eau. Donc je vois que Madame Poyot est présente dans l'opposition. Après, je regrette que Briançon d'abord n'en fasse pas partie. Je regrette également que le lundi, nous n'ayons pas rendez-vous avec vous, comme le groupe Briançon Citoyenne. Merci de m'écouter. Je vous remercie. Et également, je regrette de ne pas pouvoir faire partie du groupe de travail sur le CCAS et les affaires scolaires, comme j'en avais fait, comme j'en avais émis le souhait, voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie.
Merci. Comme vous le savez, l'ensemble des représentations, elles ont été, en l'occurrence, votées et décidées en fonction de la représentation politique des groupes en début de mandat. C'est pour ça que, quand elles changent, c'est généralement suite à des démissions. Donc, en l'occurrence, à l'époque, c'était effectivement Aurélie Poyot pour la SPL, pour ne prendre que cet exemple, qui représentait le groupe Briançon Citoyenne, et Maryse Zosa-François qui représentait le groupe Briançon d'Abord. Il se trouve que le groupe Briançon d'Abord, il a éclaté, il n'existe plus. Moi, je suis désolé, mais je ne vais pas, au gré des desiderata politiques de l'opposition, procéder à une recomposition des 125 et quelques organisme dans lequel la ville est représentée. J'en suis confus. En tout état de cause, la représentation telle qu'elle a été décidée et votée en début de mandature, elle est totalement légale, représentative et proportionnelle. Maintenant, j'essaie de prendre en compte les desiderata et les souhaits des uns et des autres. Je vous confirme que je reçois les groupes d'opposition constitués avant les conseils, ce qui, je me permets de vous le dire, parce que vous semblez le regretter, comme si c'était assez terrible et que c'était tourné à votre encontre de ne pas le faire. Je rappelle juste que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire politique de Briançon. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, jamais les opposants n'ont été, et les groupes minoritaires n'ont été reçus par le maire avant un conseil municipal. Bah, à la bonne heure. À la bonne heure. Alors là, je vous rappelle que c'est sur mon souhait et que Madame Poyot, en l'occurrence, je n'invente pas l'eau chaude, puisque j'ai ni plus ni moins souhaité reproduire, quand j'ai été élu, ce que le président Bernard fait au département, qui me semble plutôt de bonne aloi que de pouvoir, avant les conseils, éventuellement partager sur... voilà. Donc je voudrais juste être très clair là-dessus, c'est-à-dire que je veux bien parfois qu'on me fasse des reproches sur ma manière de gérer l'administration municipale ou de piloter le conseil, mais je rappelle juste que les séances de commission sont extrêmement ouvertes et qu'on y parle, quand vous le souhaitez, d'absolument tout. Madame Poyot m'a en l'occurrence demandé tout à l'heure à ce qu'on puisse avoir des points urbanisme un peu plus fouillés pour que les permis qui ont été signés les derniers mois puissent être présentés. J'ai pas eu le temps d'en échanger avec l'adjoint à l'urbanisme, mais nous le ferons. Et nous accédons à vos demandes quand vous le souhaitez, dans la plus pure expression, en l'occurrence, de la pluralité démocratique. Je pense pouvoir témoigner, mais si jamais ce n'était pas le cas, vous n'en étiez pas convaincu, je proposais bien volontiers à Catherine Valdener, à Richard Nussbaum ou à Stéphane Simon de faire part de leur ressenti sur leur expérience dans diverses mandatures d'opposition, puisque pour l'avoir vécu en étant juste un petit peu derrière, je ne suis pas sûr que c'était le cas. Donc si le groupe Briançon d'abord se constitue de cette manière formellement, je vous recevrai avec un immense plaisir, vous n'avez que à le demander. Et concernant le CCS, je me ferai fort de regarder cela. Je vous dis juste très clairement, je ne remettrai pas en cause toutes les représentations, parce que sinon ça ferait perdre des heures et des heures de travail au Conseil, et très franchement, nous avons à avancer. Je vous en prie, Madame Marchand. Je vous remercie. Néanmoins, je voudrais répondre. Le Briançonnais d'abord et Briançon d'abord existent toujours. La preuve en est, c'est que chaque mois, je reçois une enveloppe au nom du Briançon Conseil, d'abord. Tout de même, oui. Nous sommes encore deux, donc c'est un groupe qui existe. Aïcha a été toute seule quelques temps. À ce stade, madame, il n'est pas déposé, donc libre à vous de le déposer, faites-le. En tout cas, je regrette que le mois dernier, vous nous ayez dit que vous receviez les groupes d'opposition chaque lundi. Et laissez-moi terminer. Et du coup, j'ai attendu que vous nous invitiez à vous rencontrer lundi, ce qui n'a pas été fait, et je le regrette. Écoutez, si vous vous sentez malheureuse, vraiment, je suis triste. Je tâcherai de vous faire un geste pour Noël ou quoi que ce soit, pour vous montrer ma bonne foi et vous montrer à quel point je suis quelqu'un de sympathique. Cela étant dit, je vais vous répondre formellement et par le droit. Le groupe Briançon d'abord, il n'est pas déposé. Donc encore heureux que nous vous envoyons vos délibérations. Donc si vous souhaitez déposer et créer le groupe, vous avez tout loisir d'écrire au secrétariat général et à la direction générale des services pour le faire. Et très franchement, je vais être franc avec vous, la manière dont vous vous adressez à moi lors de cette demande me donne pas une envie particulière d'échanger avec vous avant le conseil. Puisque en l'occurrence, vous noterez qu'avec Madame Dardenne et avec Madame Poyot, je suis à peu près d'accord sur pas grand-chose. Mais il se trouve que dans les responsabilités d'élus que nous avons, nous tâchons, quand nous avons une discussion, de l'avoir de manière un peu cordiale et détachée des enjeux politiques. Cela étant dit, si vous êtes triste que je ne vous reçoive pas, je le ferai avec grand plaisir. Je me permets de vous dire que je trouve votre manière de vous exprimer ainsi, très franchement, un peu déplacée. Et honnêtement, de conseil en conseil, je ne crois pas que vous donniez une image extraordinaire entre les vociférations, les insultes, de manière... répéter, moi je suis toujours poli, cordial, et je tâcherai en tout cas de le rester. Donc, sur la base du droit, libre à vous désormais, mais très franchement, je pense que nous avons des dossiers un peu plus importants que cela. Voilà, mais vous noterez, et je vous prendrai au mot, que je suis toujours ouvert à la discussion et au débat, je continuerai à le prouver, malgré les oppositions et les critiques, elles sont bien normales, elles sont démocratiques, Madame Marchand.
Je vais donc mettre la création de la régie à autonomie financière, c'est-à-dire la délibération numéro 2, aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie, elle est adoptée. Il me revient de présenter la composition du conseil d'exploitation. Je m'en suis expliqué en commission, c'est une reconduction principalement de l'ancien conseil d'administration, pas de révolution. La proposition que je vous le fais, indique donc les participations suivantes. Au titre des élus municipaux, moi-même, Monsieur Julien, Monsieur Nussbaum, Madame Skripnikov, Monsieur Simon, Monsieur Lagier, Madame Soubranne, Monsieur Michel, Monsieur Lalanne et Monsieur Léon. Et puisque c'était la représentation historique, et au titre des personnalités qualifiées, M. Franck Prigent, M. Nils Allègre, M. Alexandre Fine, que je remercie au passage tous les trois de vouloir prendre un peu de leur temps, qui est, je sais, précieux, mais il est vrai que pour parler à la Fédération française de ski, cher Christian, c'est toujours plus sympathique de demander à Nils Allègre de décrocher son téléphone, et on en profite, je pense, de bon ton pour lui souhaiter la plus belle des saisons à notre skieur que nous aimons, de la même manière que Alexandre et les autres de nos ambassadeurs font un travail extraordinaire. Je termine la composition. Monsieur Éric Perronnet, le président du club d'athlétisme, Madame Alexandra Louison, qui est chargée de mission pour le département au titre de la préparation des Jeux Olympiques et de Terre de Jeux, Monsieur Maurice Forbrac et Monsieur Michel Sivad. Tout cela est une reconduction. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je vais mettre cette délibération dans cette composition voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il n'y en a pas, merci. La délibération est adoptée et la parole est à Christian Julien pour la délibération numéro 4. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter la délibération, je voulais vraiment vous remercier, Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal, d'avoir opté pour ce changement de statut pour l'ancien CIPA, le nouveau CSA de Briançon, le centre sportif d'altitude de Briançon, parce que c'est pour moi, je pense, à la fois intéressant et la meilleure des façons de pouvoir développer le centre sportif d'altitude et aussi, bien sûr, de pérenniser l'ensemble des emplois du CSA. Donc, merci. Concernant l'ensemble du personnel, j'en parlais, donc je pense qu'il serait opportun que les conditions de recrutement, de rémunération, de gestion du temps de travail et des congés du futur agent des services se rapprochent de ceux de la commune, des agents territoriaux, pouvant ainsi faciliter d'éventuellement détachement et de mise à disposition des agents de la ville auprès de la régie, afin de faciliter la gestion du personnel tout en restant sous l'égide du droit et du Code du travail, les futurs agents de la régie du CSA de Briançon se verront donc appliquer les statuts présentés dans la délibération, ce qui rapprochera leurs conditions de travail à celles des autres agents de la ville. Il vous est donc demandé de mettre en application, à compter du 1er janvier 2023, le statut gérant tout le personnel de la régie du Centre sportif d'altitude de Briançon. Merci, monsieur. Merci, monsieur le maire adjoint. Est-ce que ça appelle à des questions ? On avait évoqué le sujet en commission. Je ne sais pas si vous voulez y revenir. Vous nous avez questionné sur les statuts de droit privé et de droit public. Bon, voilà. En tout cas, tout cela est fait avec les mêmes conditions de salaire, etc. etc. Et, voilà. Donc, je crois que ça pérennise. Vous avez raison de le préciser. Je vous remercie. Je vais mettre la délibération numéro 4 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à nouveau à monsieur le maire adjoint chargé des sports. Donc, cette délibération concerne la nomination du directeur. Pour des raisons de continuité de service, M. le maire propose au conseil municipal de désigner M. Vincent Thomas, actuel directeur de la régie du CIPA, au poste de directeur de la nouvelle régie. M. Vincent Thomas, ayant la qualité de fonction au grade de conseiller des activités physiques et sportives, il sera recruté par la ville de Briançon au 1er janvier 2023 et détaché le même jour à la régie donc, du centre d'altitude sportif de Briançon. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions ? C'est une reconduction. Si ça n'en appelle pas, je mets la délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole pour la reconduction des tarifs à l'identique. Alors justement, comme monsieur le maire vient de l'indiquer, c'est juste une délibération qui permet de valider l'ensemble des tarifs de la grille du CSA Briançon. Il n'y a pas d'objet de différence par rapport à ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Donc je vous demande bien sûr de la valider. Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? La délibération est adoptée.
S'ensuit la mise à jour des règles d'amortissement que nous sommes obligés de voter, donc tout simplement sur l'ordre de ce que la nomenclature M4 dispose dans le cadre réglementaire qui s'applique déjà à la collectivité et à ses budgets annexes. Je ne rentre pas dans le détail comptable et je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Je vous demanderai enfin dans la délibération numéro 8 de bien vouloir autoriser l'ordonnateur, c'est-à-dire désormais le maire, à bien vouloir avoir l'autorisation d'engager les dépenses avant le vote du budget, puisque en cours d'année, le budget du coup ne sera pas voté avant le début de l'année prochaine, ce qui permettra au CSA de continuer tout simplement à exister normalement dans les jours et les semaines qui viennent. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Je vous remercie pour ce paquet de délibérations sur le centre sportif. Et en l'absence de Christian Ferru, la parole est à Madame la maire adjointe chargée de la culture pour la remplacer à pied levé. Pardon. Madame Dardenne, vous avez la parole. Oui, c'est juste parce que en commission, on avait parlé des comptes de la du CIPA, puisque c'était le CIPA. Vous nous avez dit qu'on pouvait les retrouver, les comptes, dans le cadre des rapports qui avaient été rendus dans le cadre de la CCSPL. Et je ne les ai pas retrouvés. En fait, on les a pas sur le site de la ville. Il faut qu'on vienne les voir. Bon, je pense que si, mais cela dit, moi, je l'ai sous les yeux. On peut tout à fait vous la mailler. Voilà. Mais ça a été voté, hein, donc. Oui. Écoutez, oui, en tout état de cause, Non, mais il n'y a pas de souci. C'est simplement que on les a pas en fait sur le site. Je demande à ce qu'ils puissent vous être mailés, très spécifiquement. D'accord, merci. Voilà, mais c'est le rapport 2021 qui a été adopté par le Conseil et étudié par la CCSPL. D'accord. Dans lequel vous retrouvez la totalité. Je ne les ai pas retrouvés sur le site, dans les délibérations. On vous le fait mailer, mais normalement, si vous regardez vos mails, vous l'avez déjà, puisque ces dossiers sont tous adressés en détail aux membres de la CCSPL, et sauf erreur de ma part, vous en faites partie. Donc, si vous regardez vos mails qui doivent dater de la première semaine de juillet, je pense que vous retrouverez le mail qui a dû partir de la boîte mail de Madame la Directrice Générale des Services ou de son secrétariat. Mais on va vous la renvoyer sans aucun problème, Madame Dardenne. Madame la maire adjointe, vous avez la parole pour deux délibérations ressources humaines. Oui, alors dans la première, il s'agit de renforcer temporairement les effectifs techniques de la communauté de communes du Briançonnais. Et il apparaît opportun de mettre à disposition un adjoint technique principal de première classe à la ville de Briançon au sein du service ressources patrimoniales, afin que ce dernier puisse faire bénéficier la communauté de communes de son expérience dans le domaine de l'entretien bâtimentaire, et notamment sur plusieurs services, mais notamment au Centre d'art contemporain pour monter et démonter les expositions. Il s'agit d'un mi-temps thérapeutique et ce sera à compter du 1er décembre, en accord bien sûr avec l'intéressé. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions ? Oui, Madame Dardenne. Ben, je voulais savoir si au niveau de la commune, ce poste allait être comblé, puisque ce monsieur est travaillé. Pas à ce stade. Comment ? Pas à ce stade. Parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Voilà, pas à ce stade. Ce qui n'empêchera pas, vous le savez, qu'on procédera à des renforts sur les services techniques, mais on est plutôt sur du redéploiement, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de renforts polyvalents et qu'on a besoin notamment, on va avoir besoin notamment sur le service espace vert, parce que on va avoir un parc un peu grand en plus. Donc voilà, à ce stade, en tout cas, pas tout de suite. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Catherine, vous avez à nouveau la parole. Des abstentions ? Très bien, 3 abstentions. 4, 5. Merci. Alors la délibération suivante, c'est en fait suite à la délibération du 2 novembre 2021 concernant la mutualisation des deux collectivités. Et compte tenu des besoins à satisfaire, il est proposé au Conseil municipal ce soir de valider l'avenant numéro 1 portant modification de la convention de service commun DGS par le recrutement d'un chargé de mission à temps complet et de ce fait faire évoluer le contenu de la convention portant mutualisation de la Direction générale des services ainsi composée de 5 agents à temps plein. Donc il s'agit d'un attaché territorial 7e échelon et c'est globalement une opportunité ville et CCB de répondre aux besoins de proximité, d'efficience dans les actions publiques, dans les traitements des divers dossiers et puis dans tous les projets à mettre en place,
dans le cadre d'une action commune des deux collectivités, tout simplement. Et comme la chargée de mission en question est dans la salle, et que je le précise pour ceux qui nous regardent mais n'ont pas la couleur, comme on disait à l'époque, et que dans la salle il n'y a que trois personnes autres, et qu'en l'occurrence il y a un journaliste et quelqu'un qui n'intègre pas les services de la ville, vous aurez du coup reconnu Madame Delage, qui travaille auprès de Madame la Directrice Générale, et nous la saluons, nous la souhaitons la bienvenue dans nos effectifs. Je vais mettre cette délibération... Non, je ne vais pas mettre cette délibération en voix, je vais passer la parole à Madame Poyot. Oui, juste parce que comme vous dites justement qu'il y a Madame Delage dans les bancs de l'Assemblée, et nous la saluons, je voudrais juste qu'on explique nos votes d'abstention sur les questions de personnel. On s'abstient régulièrement sur les questions de personnel parce que dans l'opposition, on n'est pas représenté dans les différentes instances, le comité technique ou des choses comme ça. Donc en général, on a un vote... pas contre, mais on a un vote d'abstention parce que voilà, on ne prend pas part à la vie et à la gestion du personnel dans la collectivité. Voilà. Merci, je crois que les agents auraient préféré que vous ne vous absteniez pas sur le RIFSEP, mais nous aurons l'occasion d'avoir d'autres débats politiques le moment venu, puisqu'il s'agissait de verser 300 000 euros de plus sur le salaire des agents dans une période d'inflation. Mais chacun est libre de son vote et en assume les responsabilités. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci, elle est adoptée. Eh oui, elle est adoptée quand même. Non, j'avais déjà vu qu'en l'occurrence, vous aviez trois abstentions. Cinq, pardon, excusez-moi. Alors bah, du coup, vous avez bien fait de le faire remarquer, pardonnez-moi. La délibération numéro 11, j'ouvre le chapitre finance, appelle au réaménagement de la dette et donc aux charges à répartir. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je voudrais en redire quelques mots très précis à l'occasion de cette délibération qui, je le dis, clôture le processus de réétalement et de réaménagement. Mine de rien, à cette occasion-là, c'est un emprunt obligataire de 5,8 millions d'euros sur une durée de 20 ans que nous avons souscrit, qui nous permet pour partie de rembourser les emprunts que vous voyez là, 2,2 millions d'euros et 1,3 millions d'euros, c'était le capital qui restait, et de les réemprunter sur 20 ans à un taux de 2,31%. Je voudrais le dire pour deux raisons. D'une part, parce qu'un emprunt obligataire, c'est des investisseurs qui font confiance à la signataire de la ville. Je crois que c'est un geste très important, puisque pour la ville qui fut la plus endettée de France, obtenir sur des montants si importants... Alors la ville n'a pas ajouté 5,8 millions d'euros d'emprunt. Elle a remboursé totalement un emprunt qu'elle a réemprunté sur plus longtemps. Je voudrais par ailleurs que chacune et chacun ait bien en tête la page 4 du document, puisque la ligne qui est toute horizontale et qui ne bouge pas, c'est le taux à 2,3% que nous avons obtenu. Et les deux emprunts, en l'occurrence, c'est le taux qu'ils ont, et en l'occurrence depuis le début de l'année 2022. Donc c'était un taux à plus de 4% à l'heure où nous parlons. Donc je crois que l'opération qui a été réalisée est plutôt très bonne pour la ville, parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, on emprunte quasiment moins cher qu'un particulier pour acheter sa maison. Et au vu des dernières annonces sur la hausse du taux du livret A, même si on s'adressait à la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires, avec un taux de livret A à 2% plus les marges, on est vite à 3%. Donc on fait une opération financière qui est extrêmement intéressante. Je précise que les deux autres millions qui viennent en plus de ce remboursement de prêt sont justement la deuxième partie du réétalement de la dette, puisque en l'occurrence, chaque année, on en rembourse 5 qui sont les emprunts des années 90, pour faire simple, qui sont des emprunts qui sont tous sur 10 ans, puisque tous nos emprunts sont calés sur l'année 2032, et qu'on les réemprunte sur 20 ans à des taux bas. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train, peu à peu, d'une part, grâce à ce réaménagement précis qui nous fait gagner 200 000 euros par an, et grâce au réétalement de la dette qu'on opère de manière mécanique, parce que quand vous remboursez 5, mais que vous empruntez à 2, mais sur une durée deux fois plus longue et à des taux plus bas, bah, par la force des choses, vous redonnez un oxygène à la commune. Tout ça, je le dis, en maintenant un plan pluriannuel d'investissement et un plan d'orientation budgétaire qui nous mènera à la fin de la mandature à avoir moins de 36 millions d'euros de dette, qui est un chiffre que nous n'avons plus eu depuis 1988. Donc nous repassons sous un taux d'endettement que nous n'avons plus connu depuis bientôt 40 ans. Mais l'effet cliqué de tout cela, c'est que en se libérant cet oxygène-là, en réétalant la dette, en réaménageant, ben, tout simplement, on double notre capacité d'investir.
Et vous l'avez vu, c'est écrit de manière très claire dans le rapport de la CRC, la mandature précédente avait un niveau d'investissement qui était environ de 5 millions d'euros par an. Nous étions à 12 millions d'euros l'année dernière, nous serons à 11 millions d'euros cette année, malgré l'inflation, malgré les difficultés, malgré le coût des matériaux, malgré la hausse de l'énergie. Donc la réalité, c'est que l'ensemble de cette stratégie budgétaire que j'ai défendue nous permet aujourd'hui de faire passer un cap extrêmement clair et extrêmement sérieux à la manière dont nous investissons. Je voudrais en plus rappeler que nous investissons pour créer de l'emploi. Et que ça, c'est un point extrêmement important, parce que nous investissons pour créer un certain nombre d'infrastructures, d'équipements, et bien entendu, derrière, mener une politique d'attractivité économique qui nous permet de créer de l'emploi. Et qu'il me semble que c'est très intéressant, parce que la réalité, c'est qu'on a observé depuis quelques années une baisse du nombre d'habitants. Je crois que la politique qui a été menée pendant quelques années étant uniquement axée sur la construction de logements. Et c'était le discours qui était tenu. C'est un discours que je respecte, qui est un discours assez rocardien d'ailleurs, mais je crois qu'il n'est plus d'actualité, consistant à dire on construit des logements. D'ailleurs, c'est assez paradoxal que mon prédécesseur ait tenu le même discours que Michel Rocard et donc que Robert de Caumont. Mais ça, c'est l'ironie de l'histoire dont on peut observer 40 ans après. Mais plus sérieusement, construire des logements et dire la politique de la ville, c'est faire venir des promoteurs immobiliers pour construire des logements, c'est bien. Sauf que mécaniquement, ça ne fait pas venir des habitants. Ce qui fait venir des habitants à l'année, c'est-à-dire des enfants dans les écoles, c'est l'emploi. Et je rappelle qu'en termes de fiscalité, d'ailleurs, il se trouve que plus on perd des habitants, plus on perd de la dotation générale de fonctionnement. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'investir, parce que la fiscalité étant ce qu'elle est, on a besoin aujourd'hui d'avoir une activité soutenue, mais on a besoin d'investir pour créer de l'emploi, et aujourd'hui, c'est possible. C'est possible parce que quand on tient la collectivité publique, tient une politique d'investissement forte, ben, c'est aussi tout le secteur du BTP, des travaux, de l'artisanat qui travaille. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, la seule ville de Briançon, la communauté de communes et autour d'elle, les communes, si ce n'est que de Serre-Chevalier, porte à elle seule une politique d'investissement au titre des investissements publics et privés qui est quasiment supérieure à celle de tout le département des Hautes-Alpes. Vous me direz, c'est normal, on représente plus de 40% de la richesse fiscale sur le seul canton de la communauté de communes. Encore fallait-il le faire. Et aujourd'hui, entre les investissements privés des deux hôtels dans la ZAC, les investissements publics de la cité administrative, du parc des sports, de la cité Vauban, d'autres investissements privés sur lesquels on aura l'occasion de venir, puisque nous sommes encore en train de travailler sur le devenir d'un certain nombre de bâtiments et d'un certain nombre de projets qui sont, je l'espère, sous le point de sortir, on est aujourd'hui dans cette situation. Et je voudrais vraiment vous dire à quel point je pense cette délibération importante, et je voudrais remercier le travail de l'ensemble des équipes des finances et de Madame la directrice générale des services qui a suivi avec moi ce dossier de manière prioritaire et personnelle, puisqu'en réalité, aujourd'hui, on tourne une page. Voilà. On tourne la page du surendettement, et on tourne la page d'une gestion à laquelle je m'opposais sur le point de vue vraiment de la doctrine, c'est-à-dire que consistait à dire aux Briançonnais, écoutez, on ne fait rien, on rembourse tel qu'il se doit, et on attend que ça passe. Ça consistait à continuer à faire doucement, à faire peu, jusqu'à 2032. Et j'ai considéré que la responsabilité qui était la nôtre était d'agir et de trouver les solutions financières pour pouvoir agir plus vite. Et quand une ville qui a un budget de plus de 40 millions d'euros en a déjà 5 millions qui partent dans le remboursement des banques avant même d'avoir payé le premier euro le 1er janvier au soir, eh bien, elle ne peut pas avancer. Et donc, le nœud gordien de tout cela était d'arriver à renégocier la dette, la réétaler, sans que ça ne coûte un seul euro de plus au contribuable. Il en gagne 200 000 par an. Je n'en tire aucune gloriole, aucune fierté. Je dis juste qu'en l'occurrence, je crois qu'il n'y a pas de manque d'humilité à dire qu'en l'occurrence, je crois que c'est la position politique que j'ai tenue depuis des années. Qu'en l'occurrence, d'aucuns disaient que c'était inimaginable, impossible, dangereux ou risqué. Je crois que d'aucuns disaient d'ailleurs que j'allais faire largement soit exploser le budget de la ville, soit ne pas tenir mes promesses. Et je voudrais dire devant le conseil municipal et donc devant les Briançonnais que, un, le réétalement et le réaménagement de la dette, il est réussi. Deux, qu'il n'a pas coûté un euro aux Briançonnais, mais qu'il leur en a fait gagner. Et trois, qu'aujourd'hui, il donne des marges de manœuvre à la ville qui permet de doubler sa politique d'investissement et de pouvoir dire aujourd'hui devant les Briançonnais, que 2 ans après notre élection, nous avons dit ce que nous ferons et nous avons fait ce que nous avons dit. Ni plus ni moins.
et je le dis parce que le débat démocratique, je crois que c'est cela, c'est être capable de s'opposer sur des projets, mais en tout état de cause, je crois que cette majorité municipale a la dignité de pouvoir se regarder dans un miroir et de dire aux gens qui nous ont fait confiance que nous avons été extrêmement clairs sur ce que nous allions faire et que nous n'en avons pas dérogé. Et que la seule chose qu'éventuellement nous ferons et que nous nous offrirons la liberté, c'est naturellement d'adapter si à un moment nous nous rendons compte que nous avons fait des erreurs, et on sera toujours très humble là-dessus. Mais ce réaménagement de la dette, d'une part, il tourne la page des années 90, d'autre part, il nous mènera à la fin du mandat à retrouver un niveau d'endettement tout à fait normal, et surtout, il nous permet aujourd'hui de trouver les marges de manœuvre que nous n'avions plus et d'investir beaucoup. Je me permets de terminer en disant que tout cela n'est pas de la magie, parce que si on investit beaucoup, c'est aussi parce que nous avons refait de Briançon une ville qui compte au sein du département et au sein de la région, et que je suis plutôt fier de dire que nous sommes aujourd'hui extrêmement aidés par la région, le département, mais aussi par l'État. Et je le dis parce que d'aucuns disent c'est de la politique, etc., dont acte, mais il se trouve que c'est mon boulot de faire de la politique, et que, en l'occurrence, mon boulot, c'est de vendre la ville et de faire en sorte qu'elle soit aidée, et que... Très sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, elle l'est et que notre ville est en train de devenir et de redevenir une ville connue et reconnue dans laquelle les uns et les autres ont envie d'investir parce que ça fonctionne. Et je crois que ce cercle vertueux, il était nécessaire de le remettre dans le bon ordre et nous l'avons fait. Voilà, pardonnez-moi, j'ai pris un peu de recul, vous l'imaginez bien, sur ces sujets qui me tiennent à cœur, mais au final, je m'étais assez peu exprimé sur les finances de la ville depuis 2 ans parce que nous avions la tête dans les dossiers et Dieu sait qu'ils sont... difficiles et complexes, qu'ils nous ont valu beaucoup de négociations, un travail acharné des équipes, mais aussi des assistants à maîtrise d'œuvre qu'elles nous avons fait appel. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut se féliciter. On reviendra là-dessus, bien entendu, dans le cadre des orientations budgétaires. L'idée n'est pas aujourd'hui d'avoir le débat que nous aurons au prochain conseil municipal. En tout état de cause, ce qui vous est proposé, c'est de voter le réaménagement final d'emprunts qui ont un taux plus bas que ce qu'ils auraient le cas échéant, qui nous font gagner de l'argent et qui nous permettent de payer... sur plus longtemps et de redonner un peu de marge de manœuvre pour pouvoir investir sur l'avenir. Il me semble que c'est notre rôle. Je ne serai pas bien plus long et vous avez la parole s'il y a des prises de parole. S'il n'y en a pas, il y en a. Je vous en prie, Madame Dard. Oui, merci. Bon, les finances, c'est pas mon fort, mais je suis surprise de vous entendre dire que vous... augmenter la capacité, que vous doublez la capacité d'investissement en réétalant cette dette, parce que en augmentant, en diminuant de 200 000 euros les remboursements de cette dette par an, je ne vois pas comment vous multipliez par 2 la capacité d'investissement de la commune. Donc nous, notre analyse n'est pas tout à fait la même que la vôtre. Et on voudrait vous faire confiance, on voudrait effectivement tourner cette page dont on a parlé là tout à l'heure aussi quand vous nous avez reçus. Mais c'est vrai que quelque part, on peut, quand on regarde un petit peu en arrière, j'ai relu là ces derniers temps un certain nombre d'articles qui avaient été écrits à l'époque dans les années 90, 98 même. La Chambre régionale des comptes en 1998 constate que la ville a retrouvé un équilibre financier grâce au réétalement de la dette. Moi, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, bon, ben, c'était le dernier paquet de réétalement qui date d'un temps où la première adjointe s'appelait Monique Estachy, pour être tout à fait précis. Le discours à l'époque du maire de l'époque, c'était aussi de dire le seul enjeu ici, c'est le développement local qui passe par l'investissement. C'est ce que vous nous dites encore aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, en 2010, la dette était de 77 millions d'euros. Aujourd'hui, et c'est peut-être grâce à ça que vous avez réussi à renégocier certains emprunts, aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 38 millions d'euros. Donc, non, elle le sera à la fin du mandat. Là, on est un peu en dessous de... On doit être à 42 millions d'euros. Donc, il y a quand même eu une gestion... 42, c'est ça. Une gestion qui vous a permis de... Je pense de permettre aux banques de réavoir confiance dans les capacités de la commune à rembourser, en tout cas, cette dette. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on ne va pas refaire l'histoire,
parce que si on refait l'histoire, on a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait revenir depuis plus de 20 ans. On n'a pas envie de revenir là-dessus, parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on veut tourner la page aussi. On fait partie maintenant, nous, d'une liste qui s'appelle Briançon citoyenne. Donc la gestion de vos prédécesseurs, on ne l'assume pas forcément entièrement, même si on en a fait partie et qu'on a quelquefois eu des débats houleux au sein de l'ancienne équipe dans laquelle on était, mais on a tourné la page, on s'est présenté sur une autre liste. Donc c'est quand même important, et ça je voudrais le dire, mais bon, Madame Barnéou n'est pas là, mais dans le dernier article qu'elle a mis dans la tribune libre du journal municipal, elle est revenue sur beaucoup de choses qui, d'une façon très indélicate par rapport à notre façon de voir la gestion de la ville. Donc voilà, nous, on voudrait vous faire confiance par rapport à cette gestion. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être d'accord. Il y a d'autres choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais c'est important quand même de repartir sur des bases qui font que effectivement on est passé de 77 000 à 42 000 euros, 42 millions d'euros aujourd'hui. Mais merci. Rassurez-vous, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc sentez-vous libre de voter avec nous et de vous opposer plus tard si vous pensez qu'on vous a raconter des pantalonnades. Cela étant dit, juste pour préciser mes propos et répondre, juste pour être tout à fait clair, les emprunts que nous avons renégociés, ceux qui l'étaient, nous avions 18 emprunts en cours qui dataient tous des années 90, certains n'étaient pas renégociables puisque fermés par des clauses juridiques qui empêchaient la renégociation ou qui la rendaient beaucoup plus chère que tout refinancement. C'est le principe même qui fait qu'un particulier voit les taux de remboursement anticipé plafonnés par la loi à 3%, ce n'est pas le cas pour les collectivités locales. Et certains emprunts avaient été bien ficelés pour que si on souhaite les rembourser, les formules de calcul qui calculent l'indemnité de sortie soient de toute façon plus chères que quelconque renégociation bancaire. Bon, ça c'est le premier élément. Ceux que nous avons renégociés nous font gagner 200 000 euros d'intérêt de la dette qu'on ne paye pas chaque année. La deuxième des choses, c'est que c'est deux choses différentes. Sur le stock global de dette, nous continuons à rembourser 5 millions d'euros chaque année, et ce n'est pas dégressif. Par contre, tout s'arrête en 2032. C'est bien justement la problématique des renégociations qui avaient été faites au moment où la ville était à la limite de la faillite. C'est que le tour de table bancaire à l'époque avait permis de consolider tout cela en disant « Bon ben voilà, on fait un package global, c'est 5 millions d'euros par an, et c'est jusqu'à 2032. » Normalement, vous savez, la dette, au fur et à mesure que le temps passe, vous en remboursez moins. Nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on rembourse 5 millions d'euros par an depuis des années, et on continuera à rembourser 5 millions d'euros par an, et du jour au lendemain, le 1er janvier 2033, on rembourse plus rien. Bon. Les collectivités, à la différence d'un particulier, elles ne meurent pas. C'est-à-dire que globalement, le fait qu'on rembourse un certain nombre de ces emprunts sur 10 ans de plus ne change strictement rien, si ce n'est qu'on en rembourse moins. Et que la réalité, c'est que 5 millions d'euros par an pour la ville, c'est beaucoup trop. Mais si nous remboursions 1 million d'euros par an, ce serait tout à fait soutenable, ça nous permettrait bien des largesses. Et comment nous faisons cela? D'un côté, les emprunts que nous pouvons renégocier, nous les renégocions. De l'autre, nous avons retrouvé une signature crédible qui nous a permis d'aller voir les banques en leur disant qu'à partir du moment où nous continuons à rembourser ces 5 millions d'euros par an et qu'on en rembourse 2 millions à des taux extrêmement bas chaque année et sur 20 ans, ben, ça fait ni plus ni moins que l'étalement en fait, de la dette fait que ce qu'on rembourse chaque année, ben, on serait en dette un tout petit peu, mais de beaucoup moins. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ni plus ni moins, je ralentis un tout petit peu le désendettement, mais ce qui fait qu'on arrive dans des proportions tout à fait décentes, puisque je vous l'ai dit, on terminera le mandat sous un niveau global de dette qui est en dessous de celui de 1988. Donc je crois que la réalité, c'est que comme de toute façon, nous sommes contraints à payer ce montant-là jusqu'à 2032, soit on passe les 10 prochaines années à attendre avec un budget d'investissement très faible, soit on retrouve une signature qui est confortée, d'ailleurs, j'en permets de le dire, on le présentera l'un des prochains conseils, mais la direction départementale des finances publiques nous a fait part hier d'un document d'analyse de la qualité comptable des comptes de la ville et de la communauté de communes sur l'année 2021 et nous font part d'une satisfaction et d'une qualité comptable qui est excellente, ce qui est un document qui est important quand on va voir une banque, puisque nous avons
notamment sur l'année 2021 et le début de notre gestion, une qualité comptable qui est extrêmement transparente. Donc aujourd'hui, la signature de la ville, elle a retrouvé du sens, du poids, et les banquiers acceptent la stratégie d'investissement que nous faisons, ce qui fait que tout simplement, effectivement, pour passer, comment on fait de passer de 5 à 10 millions d'euros d'investissement? Bah déjà, ni plus ni moins, on en récupère en recettes 2 millions de plus chaque année. C'est le plan de désendettement qu'on ralentit et qu'on re-imagine. Et d'autre part, c'est bien entendu les mesures d'économie que nous faisons à travers les intérêts de la dette, mais aussi à travers un certain nombre de décisions politiques que nous vous présentons au gré des budgets. Je rappelle que j'ai fait voter en 2021 le premier budget de la ville depuis des années dans lequel les dépenses de fonctionnement étaient en baisse. Je veux juste dire ça. C'est-à-dire que normalement, un budget de fonctionnement, dans toutes les collectivités, généralement, il augmente chaque année. On a fait bosser un budget en 2021 dans lequel les dépenses de fonctionnement, elles baissent. C'est pas arrivé tous les jours. Et tout cela en faisant des choix qui sont parfois pas extrêmement simples. Je veux pas préjuger des orientations budgétaires. On en redébattra et on reviendra dans le détail. Mais en sécurisant et en sanctuarisant un certain nombre de décisions, puisque dans le même temps où on baisse les dépenses de fonctionnement, je vous rappelle qu'on augmente le salaire des agents. Donc c'est juste absolument pas de la magie. C'est juste des décisions qui sont parfois difficiles, qui nous font parfois arrêter le saupoudrage, qui nous font parfois cibler un peu mieux la manière dont nous dépensons et prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps simples, mais en l'occurrence, nous les prenons. On est parfois critiqué là-dessus, mais ça nous permet d'en arriver là. Et j'ajoute à cela que je crois pouvoir dire que les recettes d'investissement liées aux subventions sont nettement plus élevées aussi qu'elles ne l'ont été par le passé, que ce soit de la part du département, de la région ou de l'État. L'ensemble de ces éléments combinés font qu'aujourd'hui, je le confirme et je le dis, nous investissons ni plus ni moins que deux fois plus par an que ce qui était le cas par année, ce qui confirme bien que, un, notre programme, il est soutenable et surtout qu'il sera réalisé. Voilà pour les réponses que je voulais vous apporter. Madame Marchand. Alors, nous, on souhaitait intervenir par rapport à cet investissement. Donc, de manière générale, on trouve que c'est bien qu'il y ait des investissements qui soient faits, qu'il y ait un embellissement de la ville. Qu'il y ait plus d'emplois. On a un petit bémol, par contre, sur les investissements sur le développement durable. Par exemple, c'est vrai que si on pouvait avoir vraiment une campagne d'investissement, elle me paraît vraiment intéressante. Je tiens aussi à noter que le désendettement... Vous parlez d'un surendettement où on tourne la page et d'un désendettement important. Je pense que... ce sont des années effectivement où on a eu un remboursement toutes ces dernières années et ces derniers mandats, et je pense qu'effectivement aujourd'hui ça nous permet d'investir dans notre ville, et elle le méritait. Voilà, le seul bémol, c'est qu'on aurait voulu que les investissements se fassent un peu plus en termes de développement durable, comme je viens de le dire. Par exemple, un tourisme qui sera plus qui prendra un peu plus responsable, qui prendra un peu plus en considération et le changement climatique. Et puis également, je tenais à dire que vous nous avez dit qu'il y avait plus d'emplois, donc ça, je le salue, si effectivement l'investissement va booster l'emploi. Par contre, moi, je vois de plus en plus de Briançonnais qui n'arrivent plus à se loger. Donc je compte sur votre équipe pour trouver une solution pour les personnes qui s'en vont à cause du manque de logement et de lit chaud. Voilà, je vous remercie. Merci. D'une part, je voudrais juste redire que après 15 ans de silence, l'accueil des banques, quand il s'agit de s'adresser à eux pour enfin reprendre une politique d'emprunt et d'investissement, je peux vous dire qu'il n'était pas forcément extrêmement gagné d'avance et simple que de les convaincre de la viabilité de nos comptes et de la crédibilité qui était la nôtre. La deuxième des choses, c'est que je vous donne rendez-vous aux orientations budgétaires concernant l'ensemble de la politique d'investissement que nous portons. Et vous le savez, à travers Briançonville plus douce, nous investissons extrêmement fortement sur les mobilités douces, sur la transition énergétique et sur l'ensemble des thématiques liées à la transition environnementale. Nous aurons ce débat-là à ce moment-là, et je serai à l'écoute de toutes les propositions que le conseil municipal voudra bien faire pour aller plus loin. Permettez-moi tout de même de rappeler que la collectivité, en l'occurrence dans laquelle nous siégeons, c'est-à-dire la CCB, ne s'était jamais dotée, malgré une gestion, je ne voudrais pas appuyer, mais c'est la réalité, une gestion avec une majorité de gauche et écologiste, elle ne s'était jamais dotée d'un plan climat. Elle n'avait jamais voulu le voter, et que je l'ai fait voter en moins d'un an après mon arrivée, avec le concours de Pierre Leroy, qui, vous le savez, porte ce dossier. Aujourd'hui, la communauté de communes, elle a un plan climat, puisque c'est elle qui porte à l'échelle du territoire les politiques environnementales, mais elle ne fait pas qu'avoir un plan climat, elle le met en œuvre,
puisque je vous rappelle que la délégation de service public qui nous fait avoir notre propre réseau de transport qui a été voté voilà quelques semaines, elle nous engage dans un nouveau service de transport dont vous avez probablement vu les bus, j'espère que vous les trouvez aussi jolis que je les trouve, si ce n'est que dans les 5 années qui viennent, ils tourneront tous au biocarburant, en l'occurrence au XTL, et que cela nous permettra en moins de 5 ans d'économiser 90% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire. Je trouve que pour une majorité qui n'investit pas sur le développement durable, il me semble que globalement nous avons des résultats, mais je suis tout à fait prêt à entendre vos préconisations en la matière. Je crois avoir répondu à tous vos sujets. Ah pardon, le logement, très important bien entendu, il y a 2 sujets différents là-dessus, il y en a même plusieurs. Un, la réhabilitation, la rénovation des logements vétustes et existants. C'est le cas de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat sur laquelle nous travaillons dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Nous sommes en train de ficeler avec l'État les derniers détails de ce dossier qui devrait nous amener à investir chez les propriétaires qui souhaitent rénover quelque chose entre 300 et 400 000 euros chaque année. À nouveau, ce sera quelque chose d'essentiel. Bon. Deuxième sujet, l'accession à la propriété, énorme sujet, puisque le foncier devient de plus en plus rare et qu'il devient surtout de plus en plus cher. Et vous le savez, il n'y a pas 10 millions de solutions, parce que quand il n'y a plus de foncier, on construit peu de logements, et je crois qu'il y a une solution qui là-dessus est plutôt très concrète et que nous avons déjà mise en œuvre, c'est qu'en l'occurrence, dans le cadre du projet de réhabilitation des sanatoriums de Rhône-Azur, qui va comporter la réhabilitation de 25 000 m² de surface de plancher de logement, ce qui n'est pas rien, nous avons pris l'engagement à ce que la moitié soit en accession à la propriété. Je vous confirme que dans le cadre de l'appel à concurrence pour la réalisation de ce projet, puisque le projet avance, je ne voudrais pas en dire trop parce que je ne veux pas déflorer un certain nombre de décisions qui sont imminentes, mais en tout état de cause, je peux vous dire que l'établissement public foncier pourra en 2023 procéder à l'appel à concurrence sur le projet de Rhône-Azur et que le cahier des charges que nous avons fixé avec l'EPF entraînera à ce que la moitié des logements qui y seront construits soient des logements en accession à la propriété. On discute encore des formats et des modalités juridiques, mais vous l'avez compris, l'idée c'est qu'on soit vers des logements qui sont globalement ce qu'on appelle du PSLA dans le logement social. Pour être très simple et très factuel, parce qu'on en rediscutera, l'idée en étant qu'on puisse louer, être locataire, et que quand on souhaite acheter parce qu'on y est prêt, on puisse voir une partie des loyers qu'on a payés être déduits du prix de vente, et donc devenir ainsi propriétaire. Dans un territoire dans lequel il n'y a plus de foncier, dans lequel il devient de plus en plus difficile de vendre à des jeunes briançonnés des terrains pour qu'ils puissent y construire leur petit bout de maison, parce que ça c'est la réalité géographique et foncière, je crois que ce projet tombera à point nommé. J'ajoute que sur le logement libre, un certain nombre de programmes sont en cours et devraient répondre à une partie de l'inflation, puisque cette inflation aussi, elle, naturellement, est liée au nombre de logements et à celles et ceux qui devront sortir. Après, on peut avoir des débats sur leur qualité, on peut avoir un débat sur le Pinel. Le Pinel a beaucoup servi à investir et a beaucoup servi les promoteurs. C'est plutôt un bon dispositif, mais pareil, ça a des effets, etc. Voilà, donc je ne veux pas avoir un grand débat sur le logement, on peut l'avoir aux OB si vous voulez. En tout état de cause, c'est un sujet que je prends très en considération. Madame Valdener, vous aviez demandé la parole. Je voulais simplement dire à Madame Dardenne que et très calmement, que quand on relit en arrière, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte aujourd'hui du bond en avant qu'on vient de faire, parce que cette histoire de dette, je veux dire, ça a bloqué toute la politique de la ville, tous les investissements, depuis plusieurs décennies, et qu'aujourd'hui, on va sereinement parler des orientations budgétaires, parce qu'avant, on n'en parlait pas vraiment, parce qu'on pouvait rien financer. Donc à partir de là, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de l'expertise financière de M. le maire en particulier et des services qui ont permis vraiment ce bond en avant. La parole est à M. le premier adjoint qui l'a demandé. Oui, moi je souhaitais aussi vous dire que nous avions pris l'engagement de réhabilitation véritable de logements sociaux. Donc je peux d'ores et déjà vous annoncer que le bois des remparts, le baril et les peupliers seront complètement restructurés, démolis et reconstruits. Les peupliers qui sont à cet instant une zone de non-droit, une zone en déshérence, seront complètement revus pour un logement social pour accueillir des jeunes mères, des travailleurs qui n'ont
pas d'autres possibilités de se loger. Et je pense que ces trois projets sont vraiment des projets qui vont marquer la mandature. Merci, ça méritait d'être rappelé. Monsieur Lalanne, vous avez demandé la parole. Oui, merci monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais intervenir effectivement sur ce dossier très complexe qui est les finances, sur cet réaménagement de la dette, et vous faire part de mon sentiment que j'ai ce soir, en fait que j'ai ce soir, mais depuis maintenant quelques mois. Je vous en ai déjà fait part d'ailleurs, monsieur le maire. Mais je pense que c'est le moment aussi de vous dire ce soir à cette assemblée que je ne faisais pas partie, pour ma part, des personnes qui pensaient qu'effectivement c'était une bonne stratégie que vous preniez lors de la dernière campagne pour réaménager cette dette. Force de constater qu'aujourd'hui la stratégie est la bonne, et vous en remercier pour ce travail qui est aussi une prise de risque considérable pour les Briançonnais. Donc effectivement, c'est un grand souffle, et je pense que Catherine Valdener l'a très bien dit, depuis des années on s'en sort pas de cette histoire, et enfin ça y est, avec les éléments qu'on vient d'avoir ce soir, on peut que s'en réjouir. Et merci encore pour ce travail. Merci beaucoup, monsieur Lalanne. J'apprécie tout simplement. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il y en a 5. Le réétalement et réaménagement de la dette est finalisé pour notre ville. Je vais passer à un certain nombre de délibérations qui seront un tout petit peu moins glamour, si vous me le permettez, sauf naturellement celle que va présenter Jean-Marc Iaponi, qui sait toujours y mettre, bien entendu, sa verve italienne. Mais avant cela, je suis obligé de vous demander si vous acceptez que la ville, comme la loi l'y oblige, passe au référentiel M57. C'est ni plus ni moins qu'une mesure nationale de comptabilité publique que nous mettons en œuvre. Je mets cette délibération aux voix. S'il n'y a ni opposition, ni abstention, avec une année d'avance, précise le premier adjoint, puisque nos comptes sont bien certifiés. Et surtout, très transparents, la délibération est donc adoptée. Et je vais vous proposer ensuite de mettre à jour les règles d'amortissement du budget de la RMBS, tout simplement eu égard à la nomenclature M4 et aux amortissements. Ça a fait l'objet de débats techniques en commission, mais il n'y a pas de changement majeur, c'est de l'adaptation de réglementation. Si on n'y revient pas, je mets cette délibération en voie. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elle est adoptée. Et nous mettons en œuvre de la même manière la même chose sur le budget principal, les règles d'amortissement qui sont mises à jour. C'est la délibération numéro 14 que je mets aux voix aussi. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elle est adoptée. Et je passe bien volontiers la parole à monsieur le maire adjoint, chargé des travaux, mais aussi du stationnement, pour présenter la décision modificative. Merci, monsieur le maire. Numéro 2, et je m'absente quelques secondes si vous voulez. Décision modificative qui a en partie pour objet de prendre en compte le sursaut d'activité et de recettes pour la RMBS au cours de l'exercice 2022, où nous devrions atteindre en fin d'année les recettes record de l'année 2019. Vont nous approcher de très très près. Voilà. Donc, on aura le temps d'en reparler, mais bon, voilà. Donc, on peut mettre cette délibération au vote. Monsieur le Premier adjoint. Tu en as terminé déjà ? Oui, j'en ai terminé. S'il ne fait pas l'objet. Non, mais je m'attendais à ce que tu développes plus. Non, ça va être là, je ne veux pas parler de chiffres. Ah, juste dire que. Je suis sûr que c'est des compliments, Francine. Oui. Ah. Non, mais pour avoir. Pour avoir eu la position donc, de M. Iaponi pendant quelques années, je me suis rendu compte que la gestion du stationnement, c'était un bon baromètre par rapport à l'activité, par rapport à la vie de la cité, par rapport à la fréquentation touristique, etc. etc. Et si vous nous annoncez qu'effectivement, on se rapproche des chiffres de 2019, ça veut dire que on va se retrouver peut-être sur les mêmes fréquentations et la même activité que les années 2019. Je compléterai juste par un comparatif sur l'année 2021. Et là, je parle des chiffres, on est à plus de 150 000 euros par rapport à l'année 2021. De là à penser qu'il y aurait eu du monde cet été, et de là à penser qu'on aurait peut-être fait le tour de France, il n'y a qu'un pas.
que je passe bien volontiers. Donc on va tâcher de le faire revenir. Voilà, c'est dit. Est-ce que je peux mettre la DM2 de la RMBS aux voix? Je la mets aux voix. Il n'y a ni opposition ni abstention. Elle est adoptée. Et je vous présente la DM3 du budget principal dans laquelle, en réalité, vous retrouvez principalement les lignes budgétaires qui sont liées à l'émission de l'emprunt obligataire, au réaménagement de la dette, aux indemnités. Donc vous les retrouvez. Vous, dans la section d'investissement, vous retrouvez principalement des ajustements pour soit des opérations comme le parc des sports. Il y a 590 000 euros qui seront faites en début 2023 plutôt que fin 2022, donc on les repousse. Et à l'inverse, il y a des opérations qui ont pris un peu d'avance. Je pense à Jean Moulin qui sera terminé, à la collégiale qui est en train de se terminer. Et le seul point notable, c'est bien entendu les 250 000 euros de la ZAC. C'est un choix politique qu'on a largement détaillé au dernier conseil municipal, mais en toute transparence, je le redis, hein, nous assumons que la ZAC coûte 750 000 au lieu de 500 000 au budget municipal. Pour nous, investir dans la ZAC, c'est investir sur l'avenir de tout le centre-ville, et donc nous assumons les choix politiques de renégociation de la ZAC que nous avons fait, puisque tout cela est induit par le fait qu'il y a un certain nombre de lots que nous avons renoncé à vendre pour qu'il y ait moins d'immeubles, moins de béton, plus d'espace, d'aération et surtout un parc plus grand, monsieur Caponi, puisque naturellement vous allez vous-même faire les travaux et aller planter les arbres qui manquent dans le beau parc du 15-9. J'en profite d'ailleurs pour dire aux riverains du quartier que s'il y a des barrières et que le parc n'est pas ouvert, c'est tout simplement parce que nous voulions attendre que la pelouse pousse bien et soit en bon état, et que nous préférons attendre qu'il y ait une toute petite chute de neige pour que ce soit bien consolidé, et tous en profiter au printemps, d'autant plus que la partie qui va rejoindre le boulevard du Lautaret démarrera aussi au printemps, et ensuite ce sera au tour de la partie qui rejoindra les allées extérieures du marché couvert. Et j'en profite pour dire aussi que les travaux sur le même site de la salle d'escalade et du pôle médico-sportif reprennent, et qu'on sera très heureux de pouvoir y aller faire un peu d'escalade. J'y donnerai rendez-vous à mon ami Yohann Lagier, ça m'évitera d'aller au tennis avec lui, perdre à tous les coups. Voilà ce que je pouvais vous dire du budget, et en blaguant un peu au passage, mais vous l'avez compris, c'était pour mettre un peu de bonne humeur dans notre conseil. Est-ce que vous avez des questions sur la DM numéro 3? Je consens naturellement au service technique à acheter des pneus neige un peu plus chers. Hein. Il y a une petite ligne de 5000 euros, je ne l'ai pas précisé. Madame Dardenne. C'est une question complètement indirecte par rapport à cette délibération. Je voulais savoir si vous pensiez installer du photovoltaïque sur le nouveau skatepark. C'est inévitablement quelque chose qu'on va étudier assez rapidement avec la SNCF, DSB, bien entendu. Et la structure la supporte. Elle est faite pour. Très bien, c'est une appréciation, Francine. C'est dans la marche, très bien. Merci. Merci. Je soumets la DM3, la DM4, pardon, aux voix. Y a-t-il des oppositions sur le budget modificatif? Il y a des abstentions, pardon. Il y a 5 abstentions, pas d'opposition. Le budget modificatif est adopté. Et je vais proposer à vos voix l'ajustement des AP et des CP qui en découle. Si vous avez des questions sur les APCP, mais je pense que ce sera peut-être plus louable de les avoir au moment des orientations budgétaires, puisqu'elles seront précisées sur le budget 2023. Je vais donc mettre la révision des APCP aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a 3 abstentions à ce stade, 4 et peut-être 5. Il y en a 5. Je vous remercie, elle est adoptée, la parole. Et tu as Jean-Marc Caponi pour une demande de subvention et des travaux sur la rue Barthélémy. Donc c'est 2 demandes de subvention que je vais présenter de concert. La première demande de subvention, c'est une demande de subvention auprès du département qui concerne l'avenue Barthélémy-Chaix. La rue Barthélémy-Chaix a été aménagée lors des travaux de la ZAC Chancel dans les années 80. La première partie est extrêmement dégradée, alors que la seconde a subi une réfection lors de la construction de Central Park Neige dans les années 2000. Aussi, les travaux de raccordement des copropriétés au réseau de chaleur nécessitant une extension du réseau a nécessité des tranchées sur la première partie. Il est apparu opportun de ne pas reprendre uniquement les tranchées, mais la pleine largeur de la chaussée. Donc, il vous est donc demandé d'approuver le plan de financement joint à la délibération et d'autoriser, monsieur le maire, à solliciter une subvention auprès du département. Ah, c'est...
Est-ce que ça appelle des questions? On continue les travaux routiers, on rénove nos routes. Je le dis, on rénove nos routes. Voilà, Les travaux seront faits d'ici quelques jours. Fort bien, on avance. Deuxième demande de subvention. Attends. Ah, pardon. Tu as fait voter. Tu t'as franchi de la démocratie. Je vais donc mettre la délibération qui autorisera M. Caponi à faire la demande de subvention pour payer les travaux qu'il souhaite faire. Aux voix, y a-t-il des oppositions et des abstentions? Elle est adoptée. Merci. Vous avez à nouveau la parole pour nous parler de comment vous ferez du vélo bientôt. Voilà. Deuxième demande de subvention auprès du département, c'est les travaux qui concernent la Via Guisane. De la même manière que nous avons réalisé la première partie de la Via Guisane, nous allons continuer par deux tranches qui vont se succéder en 2023 et 2024 et qui partent donc de la cartoucherie et qui vont s'étendre et qui vont aller jusqu'à la limite de la commune de Saint-Chaffry. Donc il est donc demandé d'établir le plan de financement qui est présenté dans la délibération. Les deux tranches seront réalisées, une première tranche en 2023, donc je vous l'ai dit, qui part de la cartoucherie et qui va au pont de la Rivière. La deuxième, pont de la Rivière, limitrophe commune de Saint-Chaffry. Ce qui veut dire, pour être très concret, c'est d'ailleurs écrit dans la délibération de manière précise, que si les travaux se déroulent comme nous l'espérons, en fin 2024, on rejoindra Saint-Chaffray à Briançon et Briançon jusqu'à Villars-Saint-Pancras en site propre sur une piste totalement intégrée. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. J'ajoute à cela que, je le redis, la communauté de communes reprend la maîtrise d'ouvrage déléguée de la Via Guisane. Donc l'ensemble des parties suivantes seront sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la Via de la CCB. Ce sera l'objet d'une délibération au prochain conseil communautaire. Et que, enfin, nous avançons sur ce dossier qui était attendu et qui attend depuis longtemps. Mais je crois que c'est vraiment une bonne chose, parce que quand on aura cette Via Guisane vraiment bien faite, en plus du plaisir que c'est de s'y balader, parce qu'il y a des beaux ouvrages, et c'est toujours très agréable, ça permettra vraiment une liaison sécurisée pour toutes celles et ceux qui, au beau jour, veulent se rendre à leur travail en vélo et en site propre. Et on va travailler naturellement à la connexion de la Via Guisane sur le réseau cyclable du centre-ville. Je pense par exemple à la connexion entre le Prorel et la caserne Colo, puis l'esplanade Alain Bérou, et on continuera ainsi. Voilà pour les travaux de la Via Guisane. Si ça n'appelle pas question, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci. Elle est adoptée. La parole est à Éric Pétieux, puis à Elisa Faure, s'ils veulent bien chacun présenter leur délibération de mise à disposition. Oui, merci, monsieur le maire. Et donc, depuis 16 mois, j'ai pris l'habitude de travailler en binôme. Et justement, si ça ne vous dérange pas, car nous connaissons tous l'expertise, l'application et la bienveillance en direction du monde associatif d'Elisa Faure. Donc je vais demander à Elisa de présenter cette première délibération qui est la mise à disposition du domaine privé lot 48, 49 et 50, 6 copropriétés centrales au profit de l'association Atelier Cyclonique qui souhaite s'élargir. Merci. Bonsoir. Donc suite à l'installation de le... Bonsoir. Suite à l'installation de la ludothèque vers la future maison de la jeunesse avenue de la République, le local de Central Park reste vacant. Il est donc proposé de le mettre à disposition de l'atelier cyclonique qui a besoin d'un espace plus grand et plus adapté pour l'accueil de ses adhérents par les bénévoles et pour améliorer les conditions de travail du salarié. La situation et l'accessibilité de ce local favorisera le projet Vélo-École. Donc, qui, je vous le rappelle, ce sera un cycle de séances pédagogiques, autant pour les enfants que pour les adultes, pour le savoir rouler à vélo, le savoir rouler à vélo sur nos belles voies cyclables, et donc un projet de remise en selle pour les adultes. Je vous laisse voter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole pour les pêcheurs briançonnais. Oui, là, on continue sur la copropriété Central Park 2, donc les lots 51, 52, au profit de l'association des pêcheurs briançonnais. Elisa.
Depuis le début de la mandature, la municipalité souhaitait accompagner l'association des pêcheurs briançonnais dans la création de la Maison de la Pêche. Afin d'accueillir les pêcheurs, les amoureux de la nature ou les simples citoyens et de proposer un espace pédagogique des milieux aquatiques de notre territoire, sensibiliser au respect et à la préservation de ce patrimoine commun, il vous est proposé ce soir de mettre à disposition ce local. Merci, ça appelle. Pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Ah pardon, excusez-moi, je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. Je voulais juste finir par dire que j'étais quand même totalement confiante sur l'implantation de ces deux associations dans ce quartier. Je suis confiante dans leur capacité à animer ce quartier. Et elles ont toutes les deux dans leur valeur faire avec peu. Et elles vont faire quelque chose de bien. Merci beaucoup. C'est transmis, c'est dit. Et en plus de ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, Elisa. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci, elle est adoptée. Je vais demander à Christian Julien de nous présenter peut-être en même temps les deux conventions de mise à dispo qui sont très classiques. Oui, tout à fait. C'est les deux. En fait, c'est la mise à disposition. Il vous est demandé d'accepter la mise à disposition du stand de tir de la Plombagine au profit de deux associations. La première, c'est l'ESB. L'association des étoiles sportives briançonnaises de tir, et la seconde, c'est l'association de tir nordique, sportif nordique, pardon, de Briançon. Donc c'est bien sûr pour mettre à disposition le stand de tir à 25 mètres et à 50 mètres, comme on l'a fait déjà il y a quelques années, en 2019. Voilà, c'était juste de permettre à ces deux associations de leur signer une convention pour accepter cette mise à disposition. Merci. Si ça n'appelle pas de questions, je vais mettre la délibération numéro 22 aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions ? Elle est adoptée. Je mets ensuite la délibération 23 aux voix. S'il n'y a ni opposition ni adoption, ni opposition ni abstention, pardon, elle est adoptée. Vous avez la parole pour les forfaits d'hiver, la délibération. Non, c'est moi qui la présente, peut-être. Pardonnez-moi. Ah, on le retire. C'est vrai, j'avais oublié. Oui, excusez-moi. On retire cette délibération pour la simple et bonne raison qu'en réalité, vous l'avez déjà voté et que rien n'a été modifié par rapport à ce que vous avez voté en juin. Voilà, tout simplement. Mais il y avait des incertitudes. Elles n'y sont plus. Délibération retirée. Et nous pouvons donc avoir un débat sur la verbalisation des déjections canines. La parole est à René Michel. Cela dit, je dis ça avec un sourire, mais j'assume totalement de passer de 38 à 150 euros, 135 euros, pardon, excusez-moi, la verbalisation, parce que très franchement, j'estime que c'est le moindre du bon sens et du savoir-vivre. J'en profite juste pour dire quelque chose de très simple, c'est que, en l'occurrence, quand on balade son chien et qu'il laisse sa déjection sur la voie publique, je rappelle juste que tous les matins, à partir de 5h du matin, il y a des agents de la propreté urbaine qui viennent nettoyer. Voilà, et que déjà je voudrais saluer leur travail, Jean-Marc, parce que c'est des chics types. Et je voudrais juste dire à celles et ceux qui, s'ils nous écoutent et que de temps en temps, ils font pas l'effort, etc., juste qu'il y a des gens qui passent derrière eux nettoyer. Et que voilà, je voudrais juste dire que nos agents, ils seraient mieux utilisés à faire autre chose si chaque propriétaire était maître de son chien. Ce débat a déjà eu lieu plusieurs fois dans ce conseil municipal, puisque c'est pas compris, on augmente le tarif, et je le dis vraiment, les amendes seront mises. Voilà. Mais je vais laisser René, je voudrais pas défricher le texte, donc vas-y, je t'en prie. Voilà, je voudrais aussi apporter comme complément d'information qu'il y a aussi la police municipale, que vous voyez pas forcément, mais qui est là. Et le secteur qui, aujourd'hui, pose des problèmes vraiment importants, mais sur le plan touristique, parce que notre ville est un secteur qui se prête complètement à la photo, et quand on a le chemin de Ronde, par exemple, ou qui est un site très, très fréquenté, notamment pour des photos de mariage, pour faire des photos du quartier, ou les promenades du service du patrimoine, et que vous vous promenez dans un secteur où vous avez des médaillons tous les mètres, voilà. Mais mes services de police m'ont fait retour qu'il y avait une nette amélioration depuis quelque temps. Voilà. Malgré nos actions menées au quotidien, de sensibilisation d'abord, puis de verbalisation, nous ne pouvons que constater que certains propriétaires de chiens continuent à ne pas ramasser les excréments de leurs chiens sur la voie publique. Pour ces raisons,
il nous appartient de modifier l'arrêté municipal du 5 septembre 2018 qui autorise les policiers municipaux à procéder à la verbalisation par la rédaction d'un procès-verbal dont le montant de l'amende est fixé à 38 euros. Nous proposons de le fixer dorénavant à 135 euros en précisant que nous préférerions largement, vraiment très largement, de ne pas avoir à en venir à une telle amende, mais que l'état de certaines routes, de certains trottoirs, de certains passages n'est pas acceptable pour notre ville. Je vous remercie. Merci. Est-ce que ça appelle à des prises de parole ? Oui, Madame Poyot. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, nous partageons le constat et nous sommes favorables à cette augmentation de l'amende. Malheureusement, voilà, on comprend et on salue aussi le travail, le formidable travail effectué par les services. C'était plus pour revenir sur les propos liminaires que vous avez faits, Monsieur Michel, concernant donc les incivilités, et vous nous avez parlé notamment d'une recrudescence d'incivilités autour du stationnement anarchique près des écoles. De ce fait, on se demandait, puisque vous avez fait ce constat, quelles sont un peu les préconisations que vous allez faire pour améliorer ce stationnement, et notamment avec nous quelque chose qui nous paraît compliqué, parce que vous nous dites qu'il y a plus de stationnement anarchique, et dans le même temps, là, on vient de voter pour un nouveau bus urbain, et il n'y a plus de gratuité pour les enfants. Donc ça risque d'entraîner, d'avoir un effet boule de neige supplémentaire sur le fait que les parents amèneront plus les enfants à l'école en bus ou ne se laisseront plus en bus. Donc voilà, savoir un peu comment je vais vous allez si vous me le gérer si vous avez, je vais me permettre de répondre. Ces questions-là. Un petit peu. Merci. Premier élément, le fait d'harmoniser nous amène à cela. Je pense qu'il n'y a rien de choquant dans la tarification. Il me paraît assez normal, d'une part, et en plus, assez peu cher. Bon, première des choses. D'autre part, force est de constater que s'il y a des problèmes de stationnement anarchique, parce que tout le monde prend la voiture alors même que le bus est gratuit, c'est que le bus gratuit, ce n'était pas la solution à tout. Hein. Sinon, en l'occurrence, tout le monde viendrait déjà en bus. Enfin, je veux dire, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crois que là-dessus, il faut qu'on soit intelligent. Ce que je pense, par contre, c'est que le fait d'avoir un réseau unique de transport en commun sur toute la CCB, qui soit le même bus pour tout, va inévitablement nous aider. Parce qu'aujourd'hui, on développe aussi ce réseau urbain, et le fait de l'intercommunaliser nous permet de reprendre la main et de créer des nouvelles lignes. Fonds Christian n'était pas desservi. Ça le sera. On n'avait que des gros bus, on aura maintenant des petits bus. Ça va être plus simple, ça va être plus pratique. Donc effectivement, sur le transport en commun, je crois pouvoir dire qu'on va mettre beaucoup plus de gens dans le bus, et en tout cas qu'on propose un service largement supplémentaire. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'excuse, je crois que ce que disait René Michel est assez simple, c'est juste du bon sens et du vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours le choix entre se garer en double file de manière erratique, certes pour une minute, mais quand on est 15 à le faire, ça bloque tout, et faire 200 mètres de plus, ou attendre quelques minutes, ou encore mieux, arriver 3 minutes en avance. Et je pense juste qu'il faut là-dessus rappeler le bon sens et le vivre ensemble. Troisième chose, il y a des aspects géographiques qu'on ne maîtrise pas, qui sont historiques. Là où on a un principal problème, c'est sur la zone du lycée, je ne vous apprends rien, et je peux vous faire part aujourd'hui d'une proposition que j'ai faite au président de région. Vous savez que le lycée doit être rénové, hein, réhabilité dans les années qui viennent, ça fait partie du plan d'investissement de la région. J'ai écrit pas plus tard que cette semaine au président Muselier en lui proposant qu'on mette en place quelque chose de tout simple mais qui à mon avis pourrait bien changer la donne, c'est qu'on change l'entrée du lycée et qu'on fasse l'entrée du lycée en bas par le portail qui donne sur ce qui sera la maison de la jeunesse, parce que je pense que ce sera beaucoup plus facile de gérer la dépose par le bas, c'est-à-dire par le boulevard du Lautaret, qu'en concentrant la totalité des problèmes, en l'occurrence dans la zone collège et lycée, je pense naturellement aussi à des problématiques qui pénalisent tous les riverains. Maintenant, voilà, disons-nous les choses, il y a des écoles qui sont moins accessibles que d'autres, on connaît le problème de l'échaussée, du parking des Zertaillot, etc., etc., il y en a qui le sont plus. Je pense juste qu'il faut savoir dire, et je crois que c'est ce que fait René aujourd'hui, que sur le stationnement, faire un tout petit peu preuve tous de civisme, c'est une bonne chose.
parce que je préfère largement que la police municipale, le matin, elle soit là pour surveiller les enfants plutôt que pour mettre des prunes, disons-nous les choses. De la même manière que sur le civisme, je pense que on ne devrait pas avoir besoin de prendre un arrêté pour interdire de fumer devant l'entrée des écoles, et que tout un chacun pourrait tout simplement, quand il attend son petit, peut-être s'écarter de quelques dizaines de mètres. Et il me semble que tout ça, c'est des petites choses qui mériteraient qu'on n'ait pas besoin de réglementer et de légiférer, de taxer, de punir, et que on le fait toujours à contre-cœur. Mais je crois que, voilà, la collectivité a de leçons à donner à personne, et on va tâcher pour notre part de faire les modifications. J'observe juste que c'est souvent un nombre infime de personnes qui font en sorte que celles des autres qui font le nécessaire pour que ça se passe bien est pénalisée. Et je crois que c'était utile de le rappeler. Vous vouliez la parole, Monsieur Michel et Madame oui, Faure. La démarche aussi, et qui est la démarche principale, c'est surtout la sécurité de nos enfants. Parce que les enfants n'ont pas la même pensée que nous sur les véhicules, et que l'insouciance fait que les enfants vont se promener entre les véhicules, et voilà, je ne voudrais pas avoir à gérer un événement dramatique. Je ne le souhaite pas. Et il faut aussi savoir que dans certains quartiers, vous avez des parcs de stationnement à disposition qui sont très, très, très peu utilisés. Très peu. Alors, Madame Faure, qui avait demandé la parole juste avant, et après vous, Madame Dardenne. Oui, je pense que c'est important quand même de faire ce petit rappel, parce que je voudrais aussi éviter un autre effet boule de neige. C'est l'effet boule de neige que les parents viennent encore plus en voiture, puisque leurs enfants ne seraient plus en sécurité pour venir à pied. Surtout en essayant de rappeler aux gens qu'il est interdit de se garer sur les passages piétons. Et on voit quand même énormément de stationnements sur le passage piéton de Pont-de-Servière qui insécurisent les enfants qui viennent à l'école à pied. De la même manière que je voudrais rappeler à l'ensemble de nos administrés que c'est très pratique de se garer dans le virage entre la rue Centrale et la rue Alphand, mais que globalement, quand on fait cela, on empêche tous les piétons, surtout ceux de petite taille, d'être vus depuis les automobilistes qui viennent. Et que s'il y a des barrières et qu'il y a marqué interdit de stationner, c'est tout simplement parce qu'à peu près 25 mètres en dessous, il y a un parking et qu'il serait louable de l'utiliser. C'est juste du bon sens, mais je préfère vraiment le redire une fois parce que sinon, à chaque fois, ce sera l'APM. Madame Dardenne, puis Madame Cordier. Oui, non, mais c'était juste pour compléter un petit peu les propos des uns et des autres, pour rappeler aussi quand même que on a beaucoup d'écoles primaires, beaucoup d'écoles maternelles sur Briançon, et que c'est donc des écoles de proximité et qu'on peut venir à pied. D'où la remarque, après, d'où la remarque d'Elisa Faure qui, je crois, méritait d'être dite et redite. Apprendre à nos enfants je crois, Francine, à que venir vous aviez à pied. Essayé de mettre en J'avais place, essayé de mettre un pédibus voilà, et en place. A priori, ça a été abandonné. Ça a été abandonné parce que je vais faire parce mon parce que c'était pas simple. Je vais faire mon mea culpa. Parce que c'était pas simple. Je pense que quand on est nouvelle, c'était une démarche que je voulais initier au lendemain de notre élection. Voilà, c'est quelque chose auquel je croyais, je crois toujours d'ailleurs. Et puis emballé par voilà par la campagne, par les propositions qu'on pouvait mettre en œuvre dès qu'on était élu, je me suis dit ben oui, on va mettre ça en place. Et puis je me suis aperçue que ben, la phase de préparation, d'expérimentation, de concertation était beaucoup plus longue que je ne l'imaginais. Donc effectivement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Et effectivement, on a abandonné parce que voilà, on n'était pas tous d'accord non plus pour mener à bien cette action. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait retravailler. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de l'éducation. Tout à l'heure, on parlait d'éducation aussi des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qui reprennent ou qui prennent le vélo pour se déplacer. C'est, effectivement, il y a beaucoup de choses à réapprendre parce qu'on l'oublie. La voiture, ça, c'est devenu quelque chose de tellement normal. On prend la voiture pour tout, pour aller chercher sa baguette de pain, son journal, pour faire 3 km ou 2 km, on prend la voiture alors qu'on pourrait aussi se déplacer autrement. On peut marcher pour aller à l'école. Et puis, juste insister, enfin, vous demandez, monsieur le maire, aussi, vous nous avez parlé de la réhabilitation du lycée.
d'altitude. Moi, j'ai lu dernièrement quelque chose concernant la réhabilitation des lycées par la région et je n'ai pas vu le lycée de Briançon dans la liste. Ah ben, c'est parce que vous lisez, à mon avis, pas les bons documents, mais ça a même été annoncé par le monsieur qui est derrière vous et qui avait fait un joli papier dans le quotidien local que je ne citerai pas. Voilà. Donc, on va tâcher de vous envoyer la copie. C'est pour quand, alors ? C'est prévu sur 2024-2025. Il faut prendre l'abonnement au DL. Ça serait bien. Vous seriez... Je rappelle que la publicité n'est pas autorisée en conseil municipal. J'ai dit PL. Et concernant le Pédibus, même Jean-Marc Chiapponi et moi-même, nous l'avons connu à notre époque. Donc les temps changent. Il est vrai que les enfants, les ados ne marchent plus. C'est exactement ce que je vous disais quand on parlait du gymnase. Et qu'il fallait un petit peu développer ce principe de refaire marcher les ados pour aller au parc des sports. Allez, s'il vous plaît, il y a des ordres de parole. Madame Cordier avait demandé la parole et on conclura avec monsieur Michel. Oui, bah, les grands esprits se rencontrent. J'avais la même remarque, monsieur Richard Nussbaum, en disant qu'il y avait eu la polémique pour descendre à pied de notre temps au gymnase. Donc on s'en rapproche. Non, juste pour dire, je ne suis pas scandalisé, mais bon, 20 minutes pour appeler à certains abrutis que se garer n'importe si comment. Vous parce que... pas de, parce ah oui, pardon. À certains Uluberlus, on l'a vu, bon, il y en a certains. Je me suis toujours garé là, voilà. Donc les enfants peuvent pas marcher. Et je rejoins aussi Elisa Faure sur. On se gare sur les passages piétons et notamment Pont-de-Servière. Peut-être aussi faire des stages et rappeler à certains que c'est 30 à l'heure. Et la sortie des garçons, tu vois très bien la rue de ma mère, le 60 sur deux roues, c'est quand même dangereux. Donc c'est un petit village et je crois que c'est toujours 30 km/h. Donc 135 euros pour les déjections canines. Il y a aussi voilà, des prunes quand on ne respecte pas le code de la route. Priorité, stop, feu rouge et limitation de vitesse. Ça a le mérite d'être en direct de Pont-de-Servière et avec un bruit de décoffrage qui fait naturellement toute votre gouaille. Docteur Cordier, on vous en remercie. Et je passe la parole pour conclure à René Michel. Oui, pour en revenir au Pédibus, il en reste quelque chose. Parce que les ATSEM de l'école des Artaillots amènent les enfants. Et la difficulté de comprendre cette situation fait que les ATSEM des Artaillots amènent les enfants au bus à pied sur le parking de l'UTL. Pourquoi les parents ne stationnent pas sur le parking de l'UTL et vont récupérer leurs enfants à pied? Voilà où est le problème. Allez, débat clos, puisqu'on est allé très loin des déjections canines, mais en tout état de cause, ça ne m'empêche pas de mettre cette délibération aux voix. Et y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? C'est donc une unanimité du conseil municipal, majorité et minorité confondues, pour augmenter le tarif de la verbalisation. Et j'espère que le message sera reçu. En tout état de cause, je ferai en sorte que la police municipale, comme la police nationale d'ailleurs, l'applique de la même manière que je l'ai fait sur les arrêtés, je le rappelle, qui visent à lutter contre l'ébriété sur la voie publique, dans les parcs et dans les jardins. Et nous ferons en sorte, à nouveau, de faire respecter tout cela. Une dernière délibération mène Maud Gadet à mettre un peu de douceur dans ce conseil. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, la commune de Servières ne dispose pas d'école primaire et scolarise les enfants qui résident au sein des groupes scolaires de Briançon. Cela concerne 11 familles, soit 15 enfants. Calculé sur la base du compte administratif 2021, le coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles publiques de Briançon s'élève à 1054 euros pour le secteur primaire hors activité périscolaire. Merci donc d'approuver le montant du forfait communal à appliquer à la commune de Servières. Merci pour les petits serverins. Si ça n'appelle pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Et l'ordre du jour étant épuisé, je clôt le conseil. Madame Dardenne a une question diverse. Non, c'était juste pour je vous demandais, il n'y avait pas de question des Briançonnais. Non, je ne crois pas, ou alors j'ai oublié. Non, je ne sais pas. Je le vérifie, si jamais il y en a, je les passerai au prochain conseil. Pardonnez-moi, j'ai peut-être oublié. Ou alors on a oublié collectivement avec les équipes. Si c'est le cas, je rattraperai au prochain conseil. Merci beaucoup, je souhaite une excellente soirée à tout le monde.